Même au cas où il se passe des choses rigolotes. Allez, dans la salle à votre service. Ça marche. Officier Flynn, 17. KD Godino, dispatch. Il y a le sergent Kranik qui m'informe que des sportifs sont partis en direction du nord. Peut-être une course qui s'organise. Non mais c'était comme un coup de taser, hein. Je suis tombé dans le coma. Là, bon, c'est bon, bon, 17. Putain, bonjour Khaled. Comment ça va? Ah, ça va, ça va, impeccable. T'as une bien belle journée pour aller pêcher dans le wait. Ouais. Du coup il reste qui en service? À part les 3 cadets avec moi là. Non, bah, c'est okay. Vous avez vu les cadets? Toujours les meilleurs, toujours présents, toujours fidèles au poste. T'as bien chopé avec ta langue là. Je suis actuellement avec l'officier Freeman, on répare le véhicule et il prend sa fin de service. Oh, allez. Désolé la Sarre pour hier, hein. Si je t'ai froissé, hein, je suis désolé. Pas froissé, c'est pas le problème, c'est que je pense que ça nuit à la crédibilité de toute l'équipe, tu vois. Non, t'inquiète pas. Vraiment, Parce que les malfrats, en fait, ils ont été arrêtés aujourd'hui. Ah, ils étaient vraiment malfratés, alors. Est-ce que vous avez fait une formation au placement du véhicule? Ouais. Non, c'est bon. La patrouille, je dis, pas me péter, faire mon Starkey Hutch, mais gère bien maintenant, chef. Non, mais je te dis, le placement du véhicule, je t'ai pas dit d'aller en patrouille. On nous a montré. Bah, le chef, hier, il m'a laissé partir en patrouille avec la Buffalo. Wow. C'était bien. Et vous allez sans partir en patrouille? Oui. Le grand capitaine, il m'a dit. On peut partir en patrouille avec la... Bah et d'ailleurs, hier, on a dû gérer le commissariat seul, on a fait un délit, on a poursuivi une voiture, on a arrêté des gens qui ont fait un délit de fuite, alors racontez-moi... Cadet Godino, Sergent Serra, c'est le cadet Anderson qui a votre arme. Bah tout est dans le rapport. Ouais, c'est bon, Bah en gros, ils ont fait un délit de fuite, on les a pourchassés et tout. Là il était sévère, le délit de fuite, hein. Genre en mode on les somme de s'arrêter, les mecs ils se gardent derrière, ils font semblant ils se gardent derrière, ils démarrent en trombe, on les poursuit, on leur crie au mégaphone de s'arrêter une dizaine de fois, ils le font pas, on percute le véhicule 2-3 fois histoire de dire bon les gars on est là, ils s'arrêtent toujours pas, ils roulent sur les rails et tout machin. À un moment, véhicule du SPDHS, le russe arrive à les retrouver au garage du nord. On le prend en chasse, puis là il commence à nous raconter une histoire, le mec, comme quoi il a été pris en otage, qu'il a agi alors qu'il voulait pas, il est désolé, tout ça. Mais il se prend quand même 240 000 dollars d'amende, 7 points en moins sur le permis, et il est convoqué au LSPD, enfin il peut être convoqué. Il a pas pu les payer, je pense, non? Ah bah non. Il a 2 semaines pour le payer. Parce que moi je lui ai mis 90 000, non? Ah bah ça c'est un autre. C'est un autre. C'est un complice en fait. Parce que là c'est la roue de la fortune. Bon, Anderson et le russe. Comment ça s'appelle? Lazare. René Lazare, chef. Lazare. Vous allez venir avec moi en patrouille. Et les deux autres vous allez avec l'officier Chef, Freeman. Quelque chose. OK.
Ah bah tu objectiveras dans la voiture, on y go. J'ai pas entendu pour les canets. On va avec Freeman. Avec okay, Freeman, Godino ouais, bon, et le russe. Okay. En fait, je pensais que je pourrais aller au plus près du citoyen à pied. Non, il y a pas de plus près du citoyen à pied. Voilà, Anderson, tu Godino, conduis ouais. Ah, alors, merci, super. Sergent. Non mais, chef, ça fait pas ce allez, monte dans le char, comme on dirait chez toi. Là. Ouais, mais le problème, c'est que chaque fois que je suis en patrouille avec quelqu'un, ben, en fait, je chauffe le siège. Tu couilles? Je chauffe le siège. Je polis le cuir. Ah, tu polis le cuir, mais ça va pas se passer comme ça avec moi, t'inquiète pas. Puis je fais rien, moi j'aime bien piloter, j'aime bien parler. Allez, vamos, Anderson. On est dans le même intercepteur. On va aller contrôler. Ouais, on est dans l'intercepteur et c'est la mienne. Il manque une porte. C'est l'intercepteur. C'est un honneur. C'est Kourou Manoir. Kourou Manoir. Dans le centre-ville qui se dirige vers le nord. Kourou Manoir. C'est la même Kourou Manoir que j'ai près de la banque. Chef. Et la personne a fait un délit de fuite. Je pourrais la reconnaître. All right. Si elle est noire, mate. Vous savez, un peu gris, noir, mat, c'est la même, c'est sûr. Et elle a un turbo, chef, parce que... Ouais, chef, vous savez, il y en a plein des voitures noires, mat. La Kourou Manoir se redirige vers le centre-ville, vers le garage. C'est la même. Garage central. On va tomber en face de... Et on va être en face de nous, je pense. Vers le JGOKAS. Ah, il se redirige vers la bijouterie. Bijouterie, on n'est pas loin. Nous sommes actuellement près de la mairie. Prends à gauche, après. À gauche, ok. T'inquiète, je regarde la carte, moi, ok La voiture se dirige vers... de nouveau vers le JGOKAS. Ok, va à gauche. Tout droit. À droite. Ah, je le dis trop tard, excuse-moi. Je vois pas la route, il est dans la carte. Ouais, bon, on rejoint les collègues, là. Est devant, chef. Tu prends la gauche. On est devant, on est avec les collègues. Sors mon taser, je suis pris, chef. Ouais, la voiture est près du JGOKAS. Elle se dirige vers le garage central. Pour être en face de lui. Non. Elle est toujours près du garage central, autour du garage central. Va tout droit. Elle va vers le LSPD Est. Exactement, bien joué, chef. Ah, elle est allée à droite. On retourne sur l'autoroute, la grande autoroute. C'est à gauche. La voiture est sur l'autoroute vers Saint-Dichon. C'est bien la caisse d'hier, chef. Je la reconnais à la vitesse. All right. La voiture est toujours vers Saint-Dichon, autoroute. Elle vient de sortir taxi vers l'hippodrome. À gauche. Ouais, à gauche. Je vais te rediriger, vas-y. Elle se dirige vers le garage amphithéâtre. Elle repart vers Saint-Dichon sur la route qui longe l'autoroute Saint-Dichon. Tu vas bientôt prendre à droite, pas celle-là. Et notre ami est en hélicoptère, il est précis. Il est pas en hélicoptère. Je vais faire la radio. Elle se dirige vers l'autoroute qui longe l'autoroute de Saint-Dichon vers le pétrole. Nous sommes avec le chef en intercepteur et nous arrivons à Saint-Dichon. Pa le moteur. Mais ça n'empêche pas qu'on n'arrive pas à la rattraper. La voiture se trouve actuellement... se trouve actuellement près d'un terrain de cross. Ok, c'est à gauche. Ah putain. Elle se redirige vers la montagne. Vers le... Dès que je peux, je prends à gauche. Comment on appelle ça? Attends, le truc attends. Du fer, la centrale. Ah, c'est juste à gauche, là, un petit peu plus loin, bim. Directement par le désert, comme un cobra. Elle se dirige vers les vignes. Oui, faut couper à gauche, là. Ouais, à gauche, ouais. Va peut-être faire le Bacchus, non, là, les marrons. J'ai pas compris la fin là par contre. Mais où je veux tout droit? Ouais, tout droit. Je dis chef, après, il va peut-être faire le Bacchus l'animal. À droite quand? Ouais, à droite, après. Après le Dodan.
Attention, faut ralentir, sinon tu vas t'envoler. C'est pas là la gauche, non? Mais il m'a dit à droite. J'ai dit à droite. T'es sûr de toi? Ouais, à gauche là. Suspect appréhendé. Ok. J'avais soif, c'est pour ça. Non, mais je vais au market. Je savais qu'ils allaient les choper, j'avais soif. C'est l'instinct du sergent, tu vois. Pourquoi ce sergent cadette? Ou un café? Non, ça y est. Ah, je veux bien, volontiers. Tu veux du sirop d'érable? Ah oui. On va goûter, ouais. Eh, je veux bien goûter, moi. Il y en aura pour rien. Donc, officier Freeman pour sergent Serra, le suspect a été appréhendé. On procède à la fouille, on l'embarque, ainsi que la fouille de son véhicule terminée. Alright, prenez des photos. J'ai un peu l'impression d'être balourdi. Oh la vache! J'adore conduire comme ça. Vous avez un beau vent sur vous? Ben, je le vois point. N'oubliez pas les droits Miranda, bien sûr. Hein. Ah non, il est tombé par terre. Votre beau vin est tombé par terre. Ouais. Ben, la Sarre, là, tu conduis. On l'a pas embarqué encore. Vous êtes sûr? Je vais conduire. Oh, l'interceptor. Ouais. Très bien. Alors, d'abord, vérification des. On s'en bat les couilles. Elle est toute. Ah. Il manque juste une porte. Right. Ah, juste une porte, chef. C'est de votre côté, vous pourriez tomber. Comment est-ce qu'on ferait? On serait décontenancé sans votre sagesse. Eh ben, il y a un garage plus loin, vas-y là. Alors. J'ai ma ceinture. Il semblerait qu'on ait perdu un morceau du pare-buff là aussi. Eh, on va réparer tout ça, vas-y, ils l'ont chopé. Hein. Alors, vous avez. Il faut que tu m'enlèves cette coupe de merde aussi. Hein. Ah, c'est un honneur, c'est monsieur Maggi qui me l'a mis. Hein. Ouais, mais j'en ai rien à branler. Eh oui, mais le problème c'est que j'ai pas de blédin dans le pocket. Ouais, bah, je te donnerai du blédène dans ton pocket. Ah, je peux pas me faire cisailler, du coup. Pourquoi tu veux pas te faire cisailler? Bah, si. Bah, si j'ai pas le blédène, comment je fais quand j'ai pas le chien dans la peau, je peux rien faire. Eh bah, t'attendras ta première paye et tu tiras. Je vais quand même pas donner de ma peau pour changer la coupette que vous m'avez fait. Ma voiture, bordel! Bah, ça va, elle est correcte. Elle est correcte, elle est correcte. Ma main sur ton front, elle va être correcte aussi. Hein. Mais non, c'est correct. Ah, c'est pas correct là. T'es en train de défoncer ma caisse. Ah, le cadet derrière toi, il pilotait. Montre-moi que t'es un pilote. Je vais vous montrer, je suis un pilote. Vous voulez-vous que je me. Merci, sergent. Tranquille, ça fait plaisir. Tranquille, il y avait un stop là. Ah, mais on est. Oh putain, Eh. Oui. Attention, je te fous une mise à pied. Hein. Bah, parce que pour un calm down. Non, pour un stop, tu es tranquille. C'est 110 ici, t'as 150 là. Mais c'est l'interceptor, ça va trop vite. Ah, j'en ai rien à branler que c'est l'interceptor. Tu roules tranquille, on n'est pas en inter. Alright? Ah, correct. Tu sais, c'est. Alors, depuis tout à l'heure, je suis gentil, mais si tu commences pas à m'écouter, je vais être beaucoup moins gentil. Mais chef, je vous écoute, mais j'ai même pas le pied sur l'accélérateur, elle avance toute seule. Là, c'est très bien. Ah, voilà, c'est... Attendez, je vais me rapprocher du bord, je vais ramasser une fleur pour votre femme, peut-être, chef. Pour qui 1h11, on a lu les droits Miranda à la personne, elle est rapatriée au LSPD, on attend la dépanneuse pour la courbe. Discast, great job. Bon, du coup, une fleur pour qui? Ah, pour votre femme. Mais comment tu sais que j'ai une femme? Ah, c'est évident, vous êtes un bon mâle dans la fleur de l'âge, vous avez forcément la femelle qui rôde autour de vous. Ouais. C'est bien. C'est correct. Ah oui, c'est logique, vous êtes physiquement, vous êtes le boss de la bécasse, donc c'est normal que vous ayez les petites poulettes autour. Désolé, mais à peine j'ai fleur là, l'interceptor s'envole. Essaye de pas aller vite, c'est pas facile, cher. Ouais, tranquille, calm down, bro. Oh. Et par contre, je continue à dire que le cadet derrière, c'est un pilote. Très bien. Ouais, merci, sergent. C'est ok, je suis pas jaloux, no problem. On est une équipe, c'est ok. Ouais, esprit d'équipe, c'est bien. Exactement. Je vais vérifier si les pneus étaient anti-dérapants, cela. Par contre,
Un pilote dans la nature. Un pilote dans la nature? Exactement, dans la nature. Parce que à Québec, quand j'étais avec grand tonton, qu'on allait faire la chasse trappe de Kodiak, c'était moi qui faisais le conducteur de carbone. À tes souhaits. T'as compris, chef? Non, c'est facile à comprendre. Juste dit, je fais la chasse au Kodiak. C'est qui? La chasse au cognac? Vous avez jamais vu le cognac? Ouais. Vous savez, vous avez un cognac, si vous voulez voir. Un cognac, c'est quoi? C'est une bouteille de. Non, d'alcool. Pas l'alcool, pas le Jack Daniel, c'est le cognac. Vous avez jamais vu le cognac? Le cognac? Non, le cognac. Vous dites mal, c'est cognac. Le cougar? Non, le cognac. C'est comme un ours, mais c'est plus grand. Un cougar? Un yeti? Non, ça c'est ça, c'est quoi? C'est pas le phare, hein. C'est pas compliqué, bien parler François quand même, c'est bon là, oh! C'est qui François? Mais non, le François, comme dans le bicherie. Le français? Exactement ce que je dis, François. Prendre une photo de l'arme. Est-ce qu'on contrôle? Prenez en photo tout, hein, et mettez une série de votre rapport. Ouais, le feu rouge là! Là il est au rouge, allez, contrôle. Right now. Et Anderson, c'est toi qui descends. Alors, le placement de véhicule, je crois que tu l'avais. Aïe. Mais comme ça me plaît. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, messieurs. Rebonjour. Chef. Ah, rebonjour. Ah, bah, je ne vous ai pas croisé tout à l'heure. Hein. Ouais, bonjour. Chef. Ah, moi, c'est vrai. Été tout le temps, alors bon, on avance, on comprend. Si je peux me permettre. Bon, bah, je me présente, hein, Cad Anderson. Vous savez pourquoi je vous arrête? En principe, je dois me mettre comme un épi de maïs au cul du véhicule qu'on arrête avec la tête. Bah pourquoi tu l'as pas fait? Parce qu'à chaque fois que je la fais, les méchants. Si vous voulez, je patiente le temps de la dépanneuse. Comme des lapins en rapide. Vous voulez y aller? Je me garde comme ça et puis. On le garde pas trop longtemps, après il va me faire chier. Je les gêne, je m'étais dit que c'était une bonne idée. Prends la pelle. Prends la pelle, Kellet. Je prends la pelle. Alright, on va y aller. On attend qu'ils finissent, on va y aller. Et par contre, je vais vérifier un truc. Avec mes collègues, oui, le feu était vert. Je me suis dit, c'est évident. Je vois pas où est la peine, cher. À l'hôpital. L'hôpital. Par contre, une voiture, ça se ferme, Calette. Bah, c'est embêtant, ça, monsieur. J'ai quand même été. Quand tu descends de ta voiture, tu la fermes instinctivement, direct, right now. Mais vous voyez le point à l'hôpital? Je comprends pas, moi, je vois rien sur ma carte. Ouais. Donc ces messieurs maintiennent que ils sont passés au vert et que. N'ont rien fait de mal. Bah écoutez, on est trois agents assermentés à vous dire le contraire, vous en pensez quoi de ça? Ouais, bah appelez, je vous couloir, j'ai pas non plus jugé, tu vois. C'est parce que peut-être vous êtes suédois. Simplement, nous on s'est arrêté, tu vois, on s'est arrêté comme. Levez-vous vraiment, on fait tout le temps. On est. C'est juste sur un petit contrôle du véhicule, si ça vous dérange pas, vérifiez la plaque. Ouais, pas de soucis. Je vais l'ouvrir si vous voulez. Ginette, t'as un 1028 XAZ28P90P. Ok, merci Gigi. Donc ce véhicule appartient à monsieur Krasik Milan. Désolé si j'écorche le nom prénom. Krasik, oui. Milan, c'est moi ici. Ok, est-ce d'accord, gris, très bien, monsieur. Donc c'était vous le conducteur, monsieur? On fait pas le mouvement avec les doigts, là, sur la tête. Ouais. Ok, est-ce que vous pouvez me présenter vos papiers, s'il vous plaît, au cadet Anderson? Pas tous en même temps. Non, rien du tout. S'il vous plaît. Ok, très bien, monsieur. Bon. Vous avez vos 15 points. Oui, j'ai mes 15 points, oui. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, monsieur, chef, moi, si je peux me permettre, hein, je dirais à ces messieurs une petite contravention, tu pas fais, d'amende. Tu fais ce que t'as à faire. Petite perte fait de erreur, points, je te dirais. Ok, d'accord. Bah écoutez, messieurs, voilà, vu que c'est la première fois que je vous croise, je vais pas être trop méchant, hein. On va pas écoper d'une amende. Par contre, vous allez perdre un petit point quand même pour le feu rouge, pour l'exemple. Ok, d'accord, oui. Très bien, monsieur, vous acceptez? Ouais, très bien, ouais, faites votre travail. Ok, très bien, les monsieur. Les lois sont comme ça, hein. J'ai pas les contre vous. Alors, comment pour récupérer des points? Alors, il faudra avoir ça avec l'auto-école, monsieur. Ouais, c'est avec l'auto-école, ouais. Ok. Et il sent que c'est 200 000 le point. Hier. C'est combien, monsieur? Bah, c'est combien, c'est là? 200 000, voilà, monsieur. Ok, ça marche. Donc, voilà, monsieur, je vous ai retiré un point sur votre permis de conduire. Okay. Et c'est effectif à partir de maintenant. Ok, d'accord. Voilà, faites attention. Tu peux te mettre dans la voiture, quand même, la prochaine fois direct sur la route. J'ai une question, chef. Ouais. Comment on fait pour enlever des points?
Ah bah faites attention en moto, c'est d'autant plus dangereux, monsieur. Ouais, mais ça, alors, tu demandes le permis de conduire déjà, tu vérifies avec le central s'il y a des points, s'il a encore des points sur son permis. Au revoir. Avec le central. Voilà, direct. Et après, c'est avec ton système d'amende que tu enlèves les points. Eh bien, je t'expliquerai dans la voiture, viens. C'est ce franchement. Petit coach en pot. Merci. Par contre, la voiture n'était pas fermée, je crois. Ou à moins que c'est le Anderson qui l'a ouvert. Elle n'était pas fermée, Anderson ? Non. Voilà, déjà prends l'habitude à fermer ta voiture quand tu descends. Get it, alright ? Alors, je ferme d'habitude, mais là, comme on était plusieurs, Ouais, c'est pas une raison, faut que tu prennes l'habitude comme ça, même si on est plusieurs, que t'es tout seul, tu l'oublies pas, tu vois. Et n'oublie pas aussi le placement du véhicule. Surtout le placement, je crois que c'était à l'intérieur à l'appel. Et du coup, sergent, à propos de l'interpellation, vous trouvez ça correct de lui retirer juste un point pour la prévention? T'as été gentil, bon, c'est qu'il a, c'est un feu quoi, c'est pas, il a pas tué, il a pas renversé personne. Voilà, c'est pour ça, je voulais pas trop l'amender, déjà lui faire un petit point, histoire qu'il se dise bon. Non, c'est bien, impeccable, le prochain contrôle, ce sera le Calais qui le fera. Alors, j'ai toujours pas compris comment je fais pour techniquement. Avec le système d'amende, avec Calais Godino, officier, sergent, c'est correct, mais non, je vois pas. Attendez. Transmettez. Personne qui a pris la fuite tout à l'heure du van et possiblement sur une Sanchez verte près de l'hippodrome. Pour information. Alright. On va vérifier à l'intérieur si rien, on parlera tira au niveau de l'hippodrome. Et normalement, ouais, c'est avec la tablette. Avec ta tablette, là, tu vérifies et tu vas dans amende. Et tu peux retirer les points. Sur l'ancien système ou le nouveau système? Le système ici, là. Le système que ta tablette. Ok, d'accord. Ben, je trouve pas, chef. Je suis désolé, mais... Bah, okay. Ta tablette... Quand tu fais pour fouiller dans tes poches? Ouais, voilà. C'est au même endroit. La Yankee, you know? Ah, oh, ok. Tu fais Yankee. Après, tu fais... Et puis après, tu cherches. Je peux amender, je peux poser, lever les barrières si je veux. J'ai les menottes. Là-bas, tu fais amende, et après, dans amende, t'as le système de points. Oh, très bien. Je vais m'entraîner sur vous, chef. Je vous enlevais un point, vous l'avez mérité. C'est correct. Bon, enlève-moi un point, tu vas goûter à Tony et Yoka. Ah, vous faites la bagarre. C'est pas correct. Ouais. Allez, on va à l'intervention parce que ça nous attend à l'intérieur. J'ai compris. Bien le bonjour, madame. Salut, Micheline. Y'a quelqu'un? Eh, j'aime pas les hôpitaux, chef. Bonjour, y'a quelqu'un? C'est ça me fout la trouille, chef. Y'a personne, chef. Mais y'a personne, on se casse. C'est peut-être. Et ça me fout les glandes. C'est peut-être au deuxième étage, non? J'ai vu qu'il y avait deux floors, c'est peut-être deuxième floor. C'est peut-être au B-floor. Ouais, mais non, mais ça me fout les glandes, les hôpitaux, j'aime pas ça. Non, mais d'après les statistiques, l'hôpital te sauve plus les fesses que tu crois, tu vois. Ah ouais. Bon, ce coup-ci, c'est moi qui conduis. Ah ouais. Et pour information, hein, quand on est à 3 comme ça, le pilote, il descend jamais de la voiture. Ah d'accord. Parce que si vous descendez tous les deux de la voiture et que les gens descendent pas de la voiture que vous interpellez, ils peuvent se barrer. Le temps que vous remontez, ils sont déjà loin. Ah, je comprends. D'où le placement du véhicule. Donc à mon avis, on vous a mal expliqué. Parce que le placement du véhicule, normalement, le système est... est là pour sécuriser et au cas où, quand il y a un délit de fuite, et ben vous êtes à côté du véhicule, vous montez instant et c'est parti. Rainer, pif. C'est qui vous a fait la formation? Si vous me dites non, c'est Maggie, c'est bon. Mais c'est correct, je le savais. J'ai officier bleu. Pas fait parce que hier j'étais
On se dirige vers les top 1. Les gens, quand j'ai stoppé, ils repartaient de suite. On se trouvait une solution pour les bloquer. Ah, mais t'es parce que t'étais tout seul. Correct. Ah, ok, d'accord. J'étais comme un caillou au milieu du désert, c'était pénible. Et chef, vous avez pas les feux, vous avez pas respecté, du coup je comprends pas. Non, j'ai exprès bombardé jusqu'à l'hippodrome. On va à l'hippodrome pour faire la chasse. Cherche une motocross, t'écoutes la radio ou pas? Oui, moi j'entends rien. J'ai pas entendu, t'entends rien. Pas bonne radio, je sais pas. On cherche une Sanchez verte avec l'individu qui a fait un délit de fuite tout à l'heure, Cloban. Mais tu étais pas là. Il a fui encore. Il a fait un délit de fuite. C'était un malandrin sur véhicule de motocyclette. Officier Freeman pour Sergent Serra. Transmettez. Pour la course poursuite, tout ça, je suppose qu'on saisit le véhicule. Comment ça se passe? Il faut qu'il me passe ses clés et qu'il m'offre le véhicule. Affirmatif. Et le véhicule sera vendu aux enchères. Et tu noteras sur la fiche de saisie. C'est un vendredi soir, tu vas aimer. C'est bien reçu. Bon, à mon avis, il va être un peu réticent à l'idée de me donner ses clés. Hein, donc, il faut taper. Donc, je vous retiens au courant. Faut cogner le En parlant de la même personne, on est pas chez Bricorama ici. Un pistolet scamp, vous savez ce que c'est? Un pistolet quoi? Un pistolet scamp. S-C-A-M-P. Alors, moi, j'arrive. Je sais ce que c'est personnellement. Ça peut aider. C'est quoi? Le scamp, c'est comme un peu en sorte d'un. C'est un animal avec l'air. Pourquoi tu parles radio? Bah parce que c'est une demande de radio, non? Ah oui, c'est un pistolet perforant, donc je confirme, c'est une arme très dangereuse. C'est correct, c'est ce que j'allais dire. Ça vient de la crevette, vous savez, scamp. Oui, donc la personne en question nous a menacé avec cette arme. Il est sérieux? Ben oui. Il semblerait bien que ça soit pas de la chicane, chef. Pas. Oui, parce que Sergent Serra, j'ai une petite question sur l'arme. L'arme, je sais pas du tout comment elle coûte. J'arrive. Partez en patrouille tous les deux, messieurs. De toute façon, moi, je vais prendre ma fin de service après l'affaire-là. Donc, partez en patrouille tous les deux. Alright. Ok. On y va maintenant? Ouais, vous y allez maintenant. Okay. Du coup, Anderson, tu prends la responsabilité de ta patrouille, alright? Ok, je prends quoi? Tu prends la stagnée derrière toi, là. Ah! Allez, bon courage, messieurs. Bonne soirée. Tu veux conduire la SAR? Ouais, bon, c'est comme tu veux. Oh, je m'en fous, hein. De toute façon, à conduire ou pas, c'est pareil, non? C'est stagné. C'est un vieux véhicule de merde. Ouais. Non, mais là, elle est à fond, là, non? Tu sens le vent dans les cheveux? Ouais, c'est pas mal, hein. Toi tu dois le sentir bien avec ton mulet, toi. Quoi, au secours, t'as entendu au secours? J'ai entendu au secours, correct. Au secours! Qui a besoin d'aide? Au secours qui? J'entends au secours qui. Vous êtes où? On vous entend, monsieur, vous êtes où? On vous entend, vous avez besoin d'aide? Chicaner, crier fort du pompon! Parlez pas dans le chapeau! Le cadet qui lui a pris son masque. Ah, mais c'est pas dans le commissariat? Mais peut-être, oui, c'est bien correct. On va s'en occuper. Je l'ai pas vu, celui-là. Hein. Ouais, c'est pas moi qui irais dire un truc. Hein. C'est... Par contre, ce qu'il y a bien, c'est que c'est un vrai char. Il y a un char. On est dans le militaire. Ah non, c'est... Non, non. Lui trouve pas des trucs bien, elle est dégueulasse.
Non, c'est militaire, moi j'aime bien. Puis elle est noire et blanche, c'est la Stanley. Ah ouais, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller dans le nord. Oh. Si tu le dis pas, je le dis pas correct. Hein? Hein, non, je dis si tu le dis pas, je dis pas correct. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, wow, wow, wow! Ah, mais non, je pense que. Non. Ouais, monsieur, faut... ah, un petit rappel à l'ordre, monsieur. Ralentissez, hey. Tirez un véhicule derrière. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais pas devant, hein, le véhicule derrière. Hein. Comment ça, d'accord. Pas devant? Ouais. Ah, vous allez vite, hein, du coup, il chaloupe. Plus qu'au dessus d'une farm. Non, ça, c'est un souci de vision de votre part, en fait. Ah. D'accord. Oui, parce que moi, il est bien derrière. Hein. Bon, ah ouais, d'accord. Roulez tranquillement, monsieur. Ah ouais, je roule tranquille. Et ils sont suspects, ils sont passés doucement. J'ai le sens, des suspects, tu sais, avec toi. Tu vas voir, non, tu vas voir le flair de la sœur. Allez, hein, je te laisse faire la sœur. Bien le bonjour, monsieur. Veuillez vous arrêter bonjour, sur le bas-côté. Oui, bien sûr. En allez face, en face, voit... monsieur. Tout à fait correct. C'est le flair de la sœur, je te dis. Roger, QG1 pour un contrôle de véhicule, plaque d'immatriculation à 0HTRIVDL. Monsieur, veuillez descendre des véhicules, je vous prie. Ok, QG, contrôle maintenant. Monsieur, pourriez-vous me donner monsieur... vos papiers? C'est bien oui, aimable, bien sûr. Le scroll. Je les donne à monsieur. Pour vous servir, Kadir René Lassar. Ah, on s'est déjà croisé, il me semble. Correct. Monsieur Mao Vincent, je me rappelle de vous, monsieur. Comment allez-vous? Non, Vince. Hein? Pas Vincent, Vince. Oh, pardon, Vince. Comment allez-vous? Ça va. Par contre, il va falloir que j'aille boire assez rapidement, si c'est possible. Je suis en déshydratation totale, là. Vous voudrez pas que vous séchiez au soleil comme une crêpe? Oui. Faisiez quoi, monsieur? Eh ben j'allais m'acheter à boire au petit garage. Sergent, juste si à côté, je dis pas là, de bêtises, normalement, quand, dans ce cas-là, on met le prix de l'arme la plus chère légale qu'on peut trouver dans un stand de tir. Demandez de bien mettre les mains sur la tête, je vous prie. C'est un petit contrôle de routine. Ah oui, bien sûr, oui. Là, c'est bon, disons. Vous êtes magnifique. Ne bougez pas. Je vais vous tâter. Vous n'avez pas les mains sur... Veuillez mettre les mains sur la tête, attends. S'il vous plaît. Ah, merci, ça y est. Beaucoup. Ce coup-ci, c'est bon. Très bien. Gardez la position de canard pendant que je vous flatte la plume. Ok, ça doit être une expression de chez vous, ça, je pense. Tout à fait. Monsieur, vous avez une arme, les déclarer. Oui, bien sûr. Je vais vérifier, si vous voulez bien. Ouais, centrale vérification armement, présentement. Vous aurez une petite... Attends. Mais quoi, attendez, j'ai une bouteille d'eau, si vous voulez. Je veux bien une bouteille d'eau, vraiment, là, s'il vous plaît. Donne ça. Ça dans la poche. Hop, voilà, tenez, monsieur. Ah, merci, c'est super sympa. Monsieur, c'est étrange, ben, je trouve pas votre arme. Oui. Vous trouvez pas mon arme? Non, correct. Dans mes poches, vous voulez dire? Non, dans le fichier de la police. Ah non, pourtant, elle est bien déclarée, celle-là. C'est embêtant. Ça, non, je vous garantis qu'elle est déclarée. Je me suis déjà fait contrôler avec cette arme et la personne qui m'a contrôlé m'a dit que c'était bon. Non, vous n'avez pas arme. C'est pas possible. Tu peux vérifier l'arme du monsieur. Ouais, je vérifie. Moi, je la vois pas bonne. Hein. Je la vois pas correcte. C'est en infraction pour moi. C'est très grave. Ah non, là je vous garantis que j'ai déjà été contrôlé avec cette arme même et que j'ai pas eu de soucis. Pas, vous allez finir en prison pour les 20 prochaines années, c'est tout. Au moins, on se détend. Ah, effectivement, je ne la vois pas non plus, mais... C'est une erreur informatique, peut-être un mensonge. Attendez, je vérifie sur ce... On fait le malandrin. Vous avez l'air honnête pourtant, j'ai envie de vous croire. Vous pouvez, hein.
À ce moment-là, on peut aller la déclarer rapidement au LSPD. Ah, je vais fouiller votre véhicule. Ah non, mais elle est déjà déclarée en fait, donc c'est ça le truc. Il est ouvert ? Ouais, il est ouvert, excusez-moi. Le truc, c'est que nous, on l'a pas dans nos fichiers en fait. Bah, je vais vous la déclarer maintenant. Pourtant, donc, malheureusement, j'ai été contrôlé par des personnes devant le GGO CAS la dernière fois et. Cette arme même, je l'ai pas perdue depuis, j'ai pas changé depuis, elle avait été déclarée. Vous êtes sûr que vous n'avez pas déclaré notre arme, par hasard ? Vous êtes certain ? Certain, j'en ai pas d'autres là. C'est celle-là, je m'en sers uniquement pour nettoyer le plafond du GGO. Comme vous êtes un honnête citoyen, que la dernière fois vous avez coopéré, on va régulariser ça pour vous. Mais c'est exceptionnel, la prochaine fois on sera obligé de verbaliser, n'est-ce pas, collègue ? Exactement, ça en aura pas le choix, monsieur. Mais là, je vous la déclare, là, je suis en train de le faire. Il y a pas de souci, mais pour moi, je vous dis, elle est vraiment déclarée, donc c'est peut-être pas, à voir s'il y a pas un petit souci en amont. C'est les mystères de l'informatique, le bug dans les computers, certainement. Okay. Normalement, c'est bon. Je fais une dernière vérification quand même. Alors, U3H6AT1Z R6KF. Téléphone du propriétaire, s'il vous plaît. 1141. Et voilà. Voilà. Hop, l'arme a bien été enregistrée dans nos fichiers. Bah, super. Vous avez d'autres armes normalement enregistrées à mon nom et à mon téléphone. Ah, on peut faire que par rapport à l'arme. Ah, ok. Non, je peux peut-être faire par rapport au citoyen si vous voulez, mais regardez nos fichiers. Mais... Monsieur Mao, merci pour votre coopération et on vous souhaite la bonne chicane. Vous n'envoyez pas trop le bruit dans le pédou. Et passez une bonne journée. Ok. Une agréable journée, monsieur. Et c'est bon, merci, j'ai vérifié, elle est bien déclarée comme il faut. On peut la retrouver dans nos fichiers. Allez. Ok, ça marche. Merci monsieur, passez une bonne journée. Allez, bon courage. Merci pour la bouteille d'eau. Je vous en prie. Oula. Oula. On me tirait pas comme ça là. Mais qu'est-ce que tu fais là, ça ? Mais je fais rien du tout. Ah si, tu tires. De taser là ou j'aurais. Non, correct, j'ai rien fait, regardez. Je vais essayer de me taser là. Ben non, je fais pas ce genre de choses, vous mettez pas le Tesla dans le pot potin si vous le méritez pas. Fais gaffe, tu as quand même crevé un pneu. Hein. Mais je t'assure, j'ai pas fait la bêtise. Pourtant, je t'avais eu clairement la main. Ah bon ? Là, tu me vois là, hein ? Bah oui. Ben, c'est pas correct. Je vais tenter de l'arranger. Tu vois, des fois je ralentis comme ça et je regarde sur le côté. C'est malin. C'est calme le bénisant. Bon, on m'avait dit qu'il y avait du monde. Les gens sont dans des endroits cachés, mais je connais les coins. En ce moment, ça ne sert à rien d'être dans le centre-ville, pour être honnête avec toi. Mais Leroy, c'est pas un officier ? Ben, je sais pas, je suis pas encore avec. Je connais pas tout le monde, cher. Radio pour dispatch. KD Anderson, pardon, pour dispatch. Le transmettez. Est-ce qu'on peut aller tourner un petit peu dans le nord ou on reste au centre-ville ? Allez dans le nord, mais prenez pas de risques, right ? Ok, vas-y. Merci, sergent. Je sais pas que vous avez que des tasers. Ah ouais, puis on est pas bien équipé, vos voitures. On est moins rapide qu'un tatou. Bah ça c'est le problème, c'est qu'on avance pas avec eux. Non, c'est clair. Si on avait l'intercepteur. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est le poteau qui s'est mis devant moi. Je l'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Je pense qu'on va... On va aller vers la bijouterie. Chez les riches. Moi je veux bien m'acheter des bijoux, moi. Parce qu'on fait pas ça en service, collègue.
Ah ouais, c'est on est vrai. Là pour rendre la justice et capturer les méchants, les malandrins, les brigands, les malfaisants qui veulent être gras comme des voleurs. Et si on t'en offre, toi, tu les acceptes? Quoi donc? Bah, des bijoux. Ben, Dieu, non, ça dépend. C'est ma femme, peut-être. Mais je passe comme ça, là, dans la rue. Non, je fais pas, je sais pas. Non, jamais. Toi, tu fais ça, toi? Ça va pas ou quoi? J'ai pas envie de me faire virer, vous. Ben oui. C'est pas bon, ça. On est... On doit être comme la prohibition. On doit être incorruptible. Exactement. On est des chevaliers, des knights, des temps modernes. On doit avoir des valeurs. J'aime bien chevalier des temps modernes, c'est sympa. C'est vrai, on va directement à Jérusalem et on va pas directement par le fond de la cave. Mais tu conduis à l'anglaise, toi, c'est pas possible. Ouais, je conduis tranquillement, non? C'est pas bon. À l'anglaise? C'est-à-dire? Bah, tu roules à gauche. Je roule un peu comme je peux. Écoute. C'est pas facile, hein? Je pense qu'on devrait aller à la vinasserie. Je suis sûr que les gens sont en train de crêper les raisins. Ouais. C'est ok, j'aime, regarde. Ouais, je vois ça, hein? J'ai peur. Un petit peu quand même, là, ça, hein, je vais admettre là. Je pense que c'est par là, non? Tu veux aller où? À la ville? À la vinasserie. Attends, on est où? Ouais, t'es sur la bonne c'est... route. Eh hey, bien le bonjour à vous. D'accord. Bonjour, mesdames, messieurs. Oh. Oh, Rémi seul. Oh, monsieur Lassard. Comment allez-vous? Bien, et vous? Vous faites pas de calabistouille? On va parler des reins. Ils sont tellement gentils. Est-ce qu'on les contrôle, collègue? Je viens de sortir. Je sais pas pour quelle raison. Je sais pas, ils sont gentils, je les aime bien. J'aime bien leur parler. On les contrôle. Bah, je veux bien que tu leur parles, qu'on leur parle. Ouais, on va pas les contrôler pour. Mais ils aiment bien être contrôlés, je te dis. Ah bon? Mais monsieur Lassard, je sors. Monsieur Lassard, je sors de la maison du sergent McGee. Ah. Ouais, on va peut-être pas les contrôler quand même. Vous voulez pas être contrôlé? Non, bah, s'il vous plaît, vous m'avez enlevé un point en plus. Vous voulez pas être contrôlé de nouveau? Bah, déjà, vous pouvez pas contrôler une femme. C'est celui à qui on a enlevé un point. Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Vous voulez pas être contrôlé de nouveau? Et en plus, vous avez vu, je me suis allé au stop en plus. C'est suspect. Monsieur Lassard, on se voit tous les jours. C'est suspect. Bah, est-ce que si vous aviez voulu vous faire contrôler, je vous serais dit. Allez-y, je fais les anges, je vous chicane, je fais le porc dans le poste. Vous inquiétez pas, directement dans le poste. Mais non, j'étais juste descendu vous dire bonjour, vous allez bien. Ah, bonjour à vous. Bien et vous? Elle est charmante, hein, n'est-ce pas? C'est qui? Merci. C'est. Je ne sais pas. Ah ouais? Mais je la croise régulièrement et je la trouve sympathique. Mais fais gaffe, la sorte son service. Mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est la plus grande choisie. Ouais, je te connais, c'est je te connais. C'est collection, il n'y a rien, ouais, c'est pas, je ne colle pas l'orignal en plein vue, c'est pas ce genre de choses, c'est pas correct. Oui, mais je te connais, je te connais. C'est un chevalier servant. Tu ne me la fais pas à moi, tu ne me la fais pas à moi. Non, mais je pas te dis non, je brise pas le frein, je ne fais pas ce genre de choses. Non, il y a un boulot de Céline Dion, il m'a dit hier. Non, exactement, vous connaissez Céline? Ben oui, vous m'en avez parlé hier. Je connais Céline. Non. On peut pas aller taper dans la boîte à cannes, ramener les crues, on n'est pas mariés. Je suis catholique, tu sais, c'est rigolo pas. Ah ouais, non, mais je connais tes petits penchants là, ça, hein, tu déconnes. Mais non, c'est pas de penchant, tu ne connais pas ce que tu racontes. Le seul. Ah ouais, ça parle, ouais, l'Espidi, ça parle là, ça. J'avoue, j'ai. Bon, nous, Michel, pas de côté, on va vous laisser dans votre truc. Mais excusez-nous, couple. On vous souhaite la bonne journée. Désolé. Ouais, bonne journée à vous. Ouais, bonne journée à vous. On va aller à la Vinasse, ok? C'est dans la Vinasse. On va aller à la Vinasse. C'est bon? Ouais. Tu vois? Ouais, ouais, j'aime bien te taquiner, mon petit Lassard. J'aime y'a bien pas de ça, j'aime bien. C'était très malin de ta part. Je suis rentré dans le manège, mais tu vois, eux, je les sais, ils sont suspects. Alors, personnellement, au moment où ils sont partis, tu vois, le mec qui lui a demandé d'un air suspect, ça va? Elle a fait, ouais, ça va, tranquille, on y va. Genre, en mode, bon, allez, on se casse. C'est exactement ça.
Mr. Dean, tu peux m'appeler le limier à bordel. Je te trouve le caca n'importe où il est, moi. Ouais, mais là, ils ont rien, là, ils ont rien sur eux, on peut rien leur non, faire. Non, mais moi, je pense que on va les suivre. On va les filaturer discrètement. Qu'en penses-tu? Ah ouais, tu vois, comme ça, on les a embrouillés un peu en pensant qu'on s'engueule et bam. Exactement. Sauf que là, la filature, on est fou. Non, mais comme ça, tranquillement. Ils savent qu'on est là, la justice est derrière eux. L'épée de Damoclès peut leur zigouquer le, les... Hein, tu vois ce que... Ping, derrière moi, la nuque. Les coucougnettes? Je pensais pas à ça, on dit pas les coucougnettes, c'est pas correct. On dit les frises... les bébés phoques ou les frises à noisettes. Les bébés phoques. Exactement, ça... Ah, j'aime bien, j'aime bien, là, ça. Moi, j'aime bien, ça. C'est comme ça que je les appelle. Par là, mais la Binance. Mais je crois qu'ils vont vers le vent en plus, non? Ben oui, c'est correct pour nous. Ah, pour l'un. Enfin, bon, ouais, non. Ça dépend là s'ils tournent à gauche ou à droite. Ils vont à droite. Ouais, ils vont pas vers le vent alors. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont vers le pétrole. Eh bien, nous aussi. T'as rendu compte? C'est incroyable, on va même en drac. Tu penses qu'ils nous ont vu? Ah bah je pense que oui, hein. Il sait qu'on est là. Hein. Ça dépend ouais, s'il va à gauche ou à droite. J'adore faire ça, j'avoue. Tu vois, la pression est mise. Et ça, c'est impossible. Bah là, il va nulle part. Hein. Enfin, ou alors il va vers son t-shirt. C'est suspect, je te le dis, moi, c'est suspect. Bah ouais, mais là, il fera rien de suspect devant nous. Et justement, c'est ça qui est bien. Parce qu'au moins, ça fait un concitoyen qui est remis dans le droit chemin. Il fera pas des cochonneries. Il mettra ah, toi, pas tu la... vois. Ah ouais. C'est la prévention par la présence. Ouais, c'est pas ma bave au garage. Ouais. Oui, mais nous aussi. Ouais. Et bien entendu, mais dis donc, ils vont au même endroit que nous. J'ai... La prévention par la plaisance. Alors certes, c'est un petit peu limité, c'est-à-dire que là, techniquement, on est sur deux canaux, mais au moins, ça fait déjà deux personnes qui se tiennent bien. Ils ont pas accéléré un peu, là? Je dois te dire une chose, Karine. Les bourrins sont à fond dans la cale à moteur. On peut pas aller plus vite, c'est pas possible. Faut non mais eux, là, ils sont à plus de 150, là. Ah ben, correct. Ah ouais, attends. C'est quoi, la limitation, elle est de combien? Bah, je sais pas, on était en ville, donc... Enfin, ouais, non, on était pas en ville. Elle était de 150, 120. Et voilà, vois-tu. 130, peut-être 130, je sais plus. L'exaction a été évitée. Ils sont allés ranger leur véhicule au parking. Ils ont garé le char et ils n'ont pas du tout envoyé d'eau dans la cave. Et ça, c'est correct. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, mon ami. Attends, je regarde si j'ai un... c'était trouvé qu'on était roublard sur l'action. T'as pas bien vu que c'était super bien pensé, non? Ouais, pas mal, pas mal. On a été teamwork. Regarde, je vais faire ma technique du buisson de jitsu. Tu la connais pas, Ben? Regarde, Ben. Qui c'est qu'on voit pas, là? Eh ben, c'était nous. Et qui c'est qui voit tout? Eh ben, c'est aussi nous. On est furtifs comme le caribou dans la buisson de lichen. Eh, pas mal, hein, pas mal. Et là, si on nous a pas qu'à regarder. Bien. Regardez. Ils font nonchalamment, style genre, on fait des choses. Mais moi, je te dis bien que c'est à l'intérieur de leur caboche, ça chicane la malveillance. Et j'ai qu'est-ce qui te fait penser ça? Je le sens, c'est tout. Tu sais, quand j'allais chasser le Kodia avec Grand Tonton, t'es toujours moi qui débusquais l'animal plus rapidement que nos chiens. Que plus vite que les chiens? Absolument. Tiens, regarde. C'est suspect, c'est un véhicule blanc. Mais c'est pas suspect, un véhicule blanc. Il est blanc, c'est suspect. Personne ne passe sa voiture en blanc.
Enfin, sauf nous, mais nous, c'est noir et blanc, différent. Puis nous, on n'est pas suspects, on est policiers. Bah, on est policiers, mais suspects à cet endroit-là quand même. Hein. On est bien cachés. Hein. 18, 17, ça avance, ça. Regarde, la personne est en train de d'extruder du blé de la boîte à TPU. Et maintenant que la police est monnaie, elle s'en tu va. Tu vois le mal partout, là, ça? Non, pas du tout. Je surveille, je suis vigilant. Intéressant, elle t'a régalé son véhicule. Et les autres font style genre, je marche. Là, tu vois, je pense vraiment, on a de la moquerie pure et dure, vois-tu? Mais pourquoi? Ils sont en train de marcher dans la rue, comme ça. Ils ont le droit? Non, c'est suspect. T'as dit, ils ont garé leur véhicule juste avant, c'est suspect. Mais t'es parano, là, ça, quand même. Mais non, pas du tout. Je chasse le suspect en toute personne. Il y a potentiellement le suspect. Je le sens. Mais il faut rien, les cons, là. Ça va pas tarder, je te dis. Ça va partir, tu vas t'impressionner. Rappelle-toi le coup du pistolet. Tu avais vu, j'avais le nez. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'était pas le gars. Mais tu crois qu'ils... Vas-y, dis-moi, tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire un sale coup. Ils attendent d'autres personnes. Je le sens. Tu sais pourquoi je le sens? Ah non? Parce que dans ma famille, on avait un voleur. Ah ouais? Mais bien sûr, grand tour de série. Tiens, regarde, c'est intéressant, ça, non? De quoi, c'est qui? C'est qu'est-ce qui se passe? C'est une moto qui est pas légale. Qui est pas légale? C'est une quoi? Non, c'est une moto qui est pas légale. Mais pourquoi? C'est pas légal. Bien sûr, alors... bonjour, madame! Bien bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Bien bonjour. Pourriez-vous ressortir votre véhicule, je vous prie, du garage? Mon véhicule du garage? Absolument. Bonjour, madame. Oui, pourquoi faire? Par vérifier votre véhicule, je vous prie. Oui, il n'y a pas de souci, attendez, je vous sors. Un sacré style. Ça, tu crois que c'est de la vraie peau de Leopardo, ce qu'elle a sur le dos? Ah non, j'espère pas, tu déconnes. Ah non, c'était pas celui-ci, madame. C'était comment? Une moto. C'était pas celui-ci. Ouais, c'est ma moto. Non. Ah non, c'était une moto genre cross. Elle était plutôt couleur bonbon, comme les Haribo, vous connaissez? Haribo, c'est bon la vie, ça, non? C'était plutôt cross. Ouais, tu chantes bien, la Sartre, tu chantes bien, putain. Ah, merci beaucoup. Elle était plutôt couleur flashy, un peu comme si le soleil rejoignait sur son corps d'albâtre métallique. Voyez ce que je veux dire? Non, pas trop. Ben voilà, faudrait ressortir votre autre véhicule, je vous prie, madame. Alors après, les autres véhicules, c'est les véhicules de l'association de Red Truck. De qui est quoi? C'est les quoi? Les buggies et les motos de Red Truck, oui. Nous voudrions voir votre moto avec laquelle vous êtes arrivé, madame, je vous prie. Et on a le droit de vous faire des journées portes ouvertes à moto? Non, madame, vous êtes vous êtes pas arrivé avec celle-ci. Vous n'avez pas... Vous avez pas vu l'annonce? Bah. Il faut regarder sur le site internet. Mais quel site internet? Vous connaissez pas le site internet de Los Santos? Bah... Bien, on tourne autour du pot, madame. Veuillez ressortir le véhicule orange et rouge. Il est là, monsieur, l'agent, le véhicule. Celui-là n'est pas orange et rouge. Il n'est pas orange. Vous n'êtes pas arrivé avec ça, madame. Vous arrivez avec ça, monsieur? Non, je vous jure que non, j'insiste. Ah ouais, mais bah moi j'insiste, je suis arrivé avec ça, hein. Comment on fait dans ce cas-là quand la minorité est flagrante? Ben, est flagrante de quoi? Bien, madame, je suis vraiment désolé, mais vous êtes venu avec un véhicule motocross. Collègue, c'est correct, j'ai pas eu mes yeux. Bah, non, c'est pas une motocross, c'est celle-ci. Non, madame, vous êtes arrivé avec un moto. Bah, attendez, je reste à côté d'elle, là, ça. Moi, je vais faire un truc, je vais me mettre au loin là-bas et je vais voir si ça ressemble à une motocross orange. Ah, c'est une bonne idée, ça, c'est bien fait. Aïe! Est-ce que tu veux que je prenne la pause, collègue? Il est tellement gentil, vous savez, madame. Je me suis pas présenté, Cadet René Lassard, pour vous servir, bien entendu. Oui, 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 je vous connais, oui. Non, mais je suis désolé de vous embêter, cette histoire de moto, mais il y a des gens, ils font les malandrins avec des motos sans plaque. On n'arrive pas à les capturer. Oui, mais là, les seules motos que nous avons, c'est les motos de l'association. Et les plaques, vous les avez. Tu es sûr que ce n'est pas la bonne moto? Parce que cette dame... Elles ont été déclarées chez vous, les motos de l'association. Mais alors, sortez. Donc les plaques, ils sont dessus. Bah attendez, parce que nous, on n'est pas au courant du truc. On va demander à un officier qui nous confirme comme ça. C'est hop, hop, hop. Ah oui, il n'y a pas
Y a pas de mais soucis, problème, oui. Les plaques, madame, on les a données il y a 48 vous, heures. Mais je vous chicane pas, mais par contre... Si Cadet Anderson pour officier... Pas d'officier. Madame, là, non, on est que des cadets, on va se débrouiller pour le dispatch. Ah ouais, non, mais là, c'est pas le problème du dispatch, en fait, c'est le problème mais, que... il faut qu'on vérifie des listes de papiers d'association, mais... Je sais pas où c'est stocké, moi, ça. Mais il m'énerve parce qu'il parle dans la radio, j'entends en double. C'est très agaçant. Il a une voix. Vous ne trouvez pas qu'il a une voix de canard. C'est quoi l'association, s'il vous plaît? Red Truck. Red Truck. Oui, non, on vous a déclaré 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos. C'est correct. Êtes... Mais madame, j'ai une question. Quand je vous demande de sortir la moto, même si c'est une moto de l'association, ouais, vous devez sortir c'est autorisé, ouais. Oui, mais c'est pas la question, madame. Moi, non, mais là, je roulais avec celle-ci. Non, vous ne roulez pas avec celle-ci, madame, je vous assure. On est deux à vous le dire. Et ils madame. Sont autorisés à rouler en ville avec ou que pendant des événements? Ah non, c'est pas en ville, hein. C'est que ici, hein, dans le nord avec le sable. Hein. C'est pas en ville du tout. Hein. Personne n'a le droit de sortir ses motos en ville. Hein. Les parcours sont ici, madame, et sont dans les montagnes là-bas. Madame, je veux pas vous être désagréable, c'est pas une question du véhicule, voyez-vous. Mais je vous demande de sortir le véhicule, vous ne me donnez pas le bon véhicule que nous avons eu. Ah bon, là, par contre, j'avoue, c'est vrai. Mais si vous êtes fort sympathique, vous savez, je vous aime bien et tout, à chaque fois, j'essaie de vous aider, mais là, c'est un peu refus d'obtempérer. Je suis désolé, mais je n'ai pas... Madame, n'utilisez pas votre téléphone quand je vous parle. Excusez-moi, j'ai reçu un message, c'est important aussi, ça peut être pour du travail aussi, après, monsieur. Madame, s'il vous plaît, concentrez-vous sur ma voix et regardez-moi droit dans mes petits yeux de Québécois. Hein? Sérieusement... S'il vous plaît, arrêtez de me chicaner de mensonges, là. Je me faites pas faire le tour du front de la tête. Et sortez-moi le véhicule. Faire le tour du... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Bref. Ouais, mais faites pas attention et réessayez de réduire au minimum. On va pas cogner des clous, madame. Ne me forcez pas à mettre la main. J'aime pas ça. Je comprends pas ce que vous dites. Non, je vous dis simplement, pas chicaner, pas rigoler avec la justice. Là, on est sérieux, maintenant. Mais vous allez mettre une amende, pourquoi je roulais avec cette moto-là et mon casque noir. Non, c'était pas celle-là, madame. On est prouvez-moi que j'étais pas avec celle-là. Mais c'est très simple, madame. On est des agents assermentés par la loi. Notre parole fait foi. On est deux témoins. Non. Avoir vu votre véhicule. Ben si, madame, je suis désolé. Et donc, je vais pas chicaner. Vous me sortez le véhicule dans les deux minutes après. Non, je vous sortirai pas. Les véhicules, vous les connaissez, c'est les véhicules d'association. Wendigo va passer. Et après le Wendigo, si je ne vois pas le véhicule, ben c'est pas correct. Et... Non. Les véhicules, collègue. C'est les véhicules de l'association. Je roulais avec ce véhicule-là. Je vous demande pas votre avis. Je vous demande de sortir le véhicule qu'on a vu, orange et jaune. Sinon, c'est refus d'obtempérer. C'est amende. Ben, vous pouvez faire un... Ben, allez-y, mettez-moi l'amende. Je vous dis que je roulais avec celle-ci. Il n'y a pas de souci. Madame, je vais être obligé de vous mettre une amende. Et si vous oui, mais mettez-moi l'amende. J'irai contester cette amende. Je roulais avec celle-ci. On va aller plus loin, madame. Étant donné que vous ne coopérez pas, on va confisquer ce véhicule. Confisquer quel véhicule, monsieur? Celui-là, madame, en attendant, vous nous emmenez l'autre véhicule. Mais vous ne touchez pas à mon véhicule. Pourquoi mais pour quelle raison vous toucherez à mon véhicule? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon véhicule? Mais madame, vous allez loin, là, quand même. Non, pas du tout. C'est bien sûr que si. Vous voulez me confisquer un véhicule? Il n'a rien fait. On va se calmer, madame, parce que je vous aime bien, vraiment. Dites-moi quelque chose, honnêtement. Est-ce que vous avez quelque chose de pas clair dans l'autre véhicule? Ah non, allez-y, regardez. Je vous en prie. Eh bien, alors, sortez-le. Allez-y. Vous pouvez aller regarder encore. Non, je vous dis sortez l'autre véhicule, la moto. Mais je vais pas vous sortir un véhicule qui fait partie d'une association alors qu'il n'y a rien de prévu. Pourquoi je vous sortirais ces véhicules? Les plaques, vous les avez. Je suis arrivé avec cette moto-là. Je vais pas vous sortir. Les motos de l'association, vous les avez, elles sont déclarées. Je vois pas pourquoi je vous les sortirais. Je vais discuter avec mon collègue quelques instants. Viens, collègue. Oui, ben vas-y, viens à ça. Ouais, attends, deux secondes, Godino, je t'explique ça vite fait. Elle me chicane le bruit. Madame, excusez-moi. Vous bougez pas de là, bien entendu. Vous êtes bien aimable. Hein. Merde, madame, comment on contrôle hein? Alors, on va prendre ses papiers. Ah putain. Madame, pour commencer, je vais vous demander vos papiers, je vous prie. Oui, y a pas de souci, prenez-les. Mais non, mais j'aime pas cette situation, madame. Pourquoi vous voulez pas sortir l'autre moto? Mais je vais pas vous sortir un véhicule que je n'utilise qu'en cas d'association. Je roulais avec l'autre véhicule, je vois pas pourquoi madame vous sortir. Carla, que faites-vous? Vous êtes tellement adorable d'habitude. Pourquoi vous me faites ça? Mais je suis toujours adorable. Bon,
Le Wendigo va passer. Venez, il faut se cacher. Là. Venez avec moi, on va se cacher dans le buisson. Le Wendigo, il va passer. Je veux pas qu'il vous emporte, c'est trop mignon. C'est méchant, le Wendigo. Ah, moi, je veux que tu travailles un peu. Oh, vas-y. Collègue, cache-toi dans le buisson. Là. Le Wendigo va venir, va t'emporter, va te transformer en Sasquatch. Cache-toi, mon ami. Frise le buisson. Frise le buisson, mon copain. Qu'est-ce que j'en fais de ces gens? Qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr qu'elle a un truc dans sa moto. Hein? On sait qu'elle a des trucs dans sa moto. C'est ça qui est rigolo. Fais-lui cracher sa moto à la morue. C'est exactement ce qui va se passer. C'est... Ben, mais surtout qu'en fait, ce qu'elle réalise pas, c'est qu'elle est en train de faire de l'anti-jeu à côté d'un admin, en fait. Parce que l'autre, c'est un admin. Et qu'il est très impartial. Et je pense que ça va commencer à le gaver. Je pense que ça va commencer à le gaver. Je comprends pas pourquoi elle la sort pas. En fait, ces gens... En fait, il y a des joueurs en ce moment sur ce serveur. Ils veulent pas perdre. Quoi qu'il arrive, ils veulent pas perdre. Ils feront tout pour ne pas perdre. Mais là, moi, je vais pas la... Rapide obtempéré, la totale. Je vais aller regarder les tarifications. Hein. Alors, vol. Donc, c'est un vol de véhicule. Je vais lui mettre un vol de véhicule. Voilà. Je lui dis, ben, vous, pour moi, vous l'avez volé, le véhicule. Donc, c'est vol de véhicule. Je vais la faire serrer. Je vais la faire serrer. Non-respect du marquage au sol, gnagnagna, délit de fuite, destruction. Je cherche. Refus d'obtempérer. Voilà. Allez. Agression, corruption, vol, outrage agent du LSPD. Je cherche, je vois pas refus d'obtempérer. Non-respect du marquage au sol, respect délit de fuite. Oh, c'est pareil, 60 000. Je vais lui mettre en 60 000 dans sa face. Et je vais regarder si elle en a déjà eu un, Madame Carla. Madame Carla. Madame Carla. Plainte, plainte. Casier judiciaire. Carla. Carla. Carla, elle a rien, là, quasi vierge comme une pute. Pense déjà ça pour elle. Vierge comme une pute, je suis pas sûr que ce soit vierge finalement. Tu l'amènes au poste, tu lui fais un interrogatoire, tu notes tout ce qu'elle n'a pas voulu faire. Aussi, si, Bob, c'est que. Il faut être honnête, toi aussi, tu aimes pas perdre, blablabla. Blablabla. Mais arrête-toi là, j'ai pas à perdre, je demande rien d'extraordinaire, on est deux. Honnêtement. Non, mais là, c'est pas moi le problème, elle s'est déplacée. Je veux bien me remettre en question souvent, mais là, c'est pas moi le problème. C'est une personne qui refuse de jouer le jeu. Elle se fout de notre gueule, elle nous sort une autre moto. Et en plus, elle nous sort, regardez, j'ai un casque. Mais encore heureux, t'as moto mongolienne. Ah non, non, c'est pas moi le problème, là. Ben oui, bien sûr. Hier, la moto sera encore là. C'est chiant. Là, je vais durcir le ton, ça va partir en vrille. Parce que moi, ça me gave ce genre de truc. Ah, collègue, d'être là. Ah, on n'a plus notre véhicule. Collègue, je n'entends pas bien vous. Hein, collègue, le Wendigo vous a pas pris. Non, collègue, non, je me suis protégé hein, comme il faut. On a plus de véhicule, on va devoir réquisitionner. C'est pas grave, j'ai des collègues qui viennent nous chercher. Dites-moi, collègue, on en fait quoi de cette demoiselle? Pour moi, franchement, elle est bon. Moi, elle ment aussi, on va pas la lâcher.
Je l'ai pas vu arriver avec ce véhicule, personnellement. Ah, mais moi non plus. On va partir du principe qu'on est. Faut qu'on raffermisse tout en étant courtois. On est pas des sacs à frites. Non, mais t'as raison, c'est sous notre gueule. Et moi je mets refus d'obtempérer, et pour moi, le mensonge, c'est une forme d'outrageation. Donc déjà 100 000. Puis moi, je peux pas pourquoi, le d'enlever. Pourquoi l'outrage? Ben, le mensonge, pour moi, c'est une forme d'outrageation. C'est foutage. Non, outrage, c'est une insulte, non? Ouais, mais c'est pareil, c'est correct. Non? Mais de toute façon, en théorie, je veux dire, le véhicule, on a accès au garage. On peut fouiller le garage, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Le garage physiquement, nous, on peut rentrer dans le garage. Bon. C'est pas bien fait, c'est torturé dedans, mais on peut y aller, non? Bah, même dans nos fichiers, nous, on n'a pas. On peut rechercher un véhicule, mais par plaque d'immatriculation. Je vais... C'était Cox, hein? Cox Carlin, je crois bien. Hein? Ouais. Et si tu fais Cox. Il n'existe pas? Si, je la vois. Ah, correct. Ouais, ouais. J'ai envoyé un petit signal, là. J'ai envoyé un petit message de madame, on vous attend. On est courtois, hein? Mais moi, je la lâche pas. Je pense que là. Elle a du gros fret à l'intérieur de la moto. Je t'ai dit, j'ai le flair ou pas. C'est vrai ou pas, hein? Non, mais tu dis pas de conneries. Tu dis pas de conneries, là, Sarah. C'est pas la malice, mais je sens la malice, tu comprends? Ça sent plus fort que le cul d'une élan en chaleur pour le grand mal au bois sauveur. Non, mais je crois que tu dis pas trop de conneries. Ben non. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Viens, on va le rencontrer. Je pense que c'est important, le métier d'îlotier. Le contact des gens, discuter. Ah, j'ai rien fait, hein. Bonsoir, messieurs. Ouais, bonsoir. Bien, bonsoir, messieurs. J'allais bien. Faut se détendre, jeune homme. Si vous avez rien à vous reprocher, bien le bonjour. Ah ouais, faut pas passer comme ça. Cadet Lassard à votre service. Ouais, est-ce qu'on a dit que vous avez fait quelque chose? Non, moi, je sais pas. Vous dirigez vers nous d'un air menaçant. On a fait des conneries, du coup, On est menaçants, nous? Pas du tout. D'accord. On a pas d'armes dans la main. Vous avez l'air stressé, monsieur jeune homme. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Non, absolument pas, monsieur. Non, rien du tout. Vous avez des produits illicites sur vous? Non. Rien du tout, rien du tout. On n'est pas des délinquants. Donnez-moi vos papiers. Donne-moi tes courtoisies. Monsieur, si vous pouvez me donner vos papiers à monsieur Cadenderson, s'il vous plaît. Putain, mes courtoisies, avec mes plus simples respects, je vous présente le bonjour, le salam. Ben, vas-y, faites. Voilà, monsieur. Mais on s'est déjà rencontrés. Vas-y, jeune homme. Non, voilà, c'est jamais vu, c'est jamais fais vu. Fais donc péter les papiers. Merci beaucoup. Je vous ai pas contrôlé. T'appelles Cambert comme la fromage, c'est intéressant. Non, moi c'est Moustique. C'est bien, tu respectes le code de la route. Tu respectes le code de la route, c'est bien. Vous me connaissez pas, bien, monsieur, je vais pratiquer une fouille, viens mettre les mains. J'ai pas dit que vous avez fait. Mais vous me paraissez vachement bizarre, vous, quand même. Donc, elle est paranoïaque, c'est bon. Non, tranquille. Ah, regardez, je vais vous montrer un truc. J'ai acheté un truc, vous allez voir. Vous allez me dire des nouvelles. Il revient ici, le jeune homme, le petit rose. Allez, reviens. Tout là ? Je veux pas partir en courant. Oui, mais reviens là. Dans mes poches. Ouais, je suis là, tranquille. C'est bien, c'est correct, monsieur Cambert. Je vais vous montrer un truc. Ce véhicule vous appartient, monsieur Cambert. Alors, si vous avez rien à voir prochain, monsieur, vous avez rien de dangereux sur vous, pas de stupéfiant, pas de drogue, pas d'alcool, pas d'armes. C'est pas votre véhicule, c'est correct. Non, celui-là, non. Bah attendez monsieur, vous allez mettre les mains sur la tête. De toute façon non, j'ai pas les clés donc non. Non, vous allez encore me fouiller, c'est chiant. Non, c'est la bonne idée. Tête, monsieur, vous voulez refuser un contrôle? Non, monsieur, regardez. Tête, sortez d'ici. Mais c'est bon, tranquille, j'ai rien. On va choper. Refus d'obtempérer, première, si je peux me permettre, collègue. Monsieur, première sommation, ou vous obtempérez ou je vous mets les ferrons. Vous pouvez me laisser parler 30 secondes de la moustique? Non, monsieur, vous allez rester ici. Vas-y, bouge pas d'ici. Faut que je te parle. Non, moustique, il vient pas ici. Non, mais au pire, vous nous gardez en vue. Non. Et on parle avec moustique. Non, mais sérieux, là, faut qu'on fasse un. J'ai un truc super important. Faut qu'on fasse un point. Les choses sont réglées.
forcé tout avec voilà. Le serflex, c'est chaud. Monsieur, je vous avais prévenu. Refus d'obtempérer, c'est 60 000 $. Quoi? Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Vas-y, monsieur, vas-y, vous allez vous, vas-y, vous allez vous mettre contre le poteau ici maintenant. Vous allez arrêter de chicaner, sinon je vous mets ma santé. Vous allez mettre les mains sur la tête, monsieur. Et c'est la même pour. Quant à vous, monsieur, monsieur, monsieur Canberra, quant à vous, vous circulez. Vous circulez maintenant. Allez, ouais, dépêchez-vous. Vous courez, tranquille. Vous partez dans cette direction, je ne vais plus vous voir. T'as compris, mon gars? Dépêche-toi avant que je m'énerve. J'ai envie de sentir le pouvoir de Tesla dans ton. Allez, dépêche-toi, première sommation. Deuxième sommation. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, jeune homme. Va-t'en. Je veux plus te voir à vue dans les 30 secondes. Oui, oui, non. 30 secondes. Qu'est-ce que c'est? Ah, très bien. Reste ici immédiatement. Touche pas à ton véhicule, jeune homme. Je t'ai dit de pas toucher à ton véhicule, descends immédiatement. Descends une fois. Très bien. C'est parfait. Quoi? On m'avait dit de partir, je suis parti. Exactement, c'est intéressant, on est tombé sur des champions. Tu capisques que c'est ton véhicule, ça? Mais ça, c'est mon véhicule. Quand on te dit de partir à pied, jeune homme, c'est comment les pieds? C'est rond? On m'a dit de partir. On m'a pas dit de. Moi, j'ai compris. T'as dit de partir à pied. Elle est à toi, c'est BF400. Elle est à toi, c'est BF400. Vous êtes bizarre aussi, vous parlez bizarrement, gros. Bien le bonjour, madame. Bonjour, ouais. Ah, je peux vous demander de rester un petit peu éloigné, je suis en train de régler un petit problème. Alors, par contre, moi, j'ai pas trop... J'en ai pour 5 minutes, madame. Moi, j'ai pas le temps, vraiment. On va aller rapidement, madame. Faites ça vite, parce que je m'en vais tout de suite, clairement. Allez avec mon collègue, là-bas. Alors, jeune homme. C'est chaud. C'est une BF400, on est correct. Une quoi? C'est une BF400. De quoi? Mon moto, là, c'est pas une BF400. Si, monsieur. Gros, t'as fumé quoi? C'est pas un BF400, c'est une Sanchez sa mère. À partir de maintenant, tu vas bien m'écouter, jeune homme. Je vais être gentil. Moi, je t'écoute. Je vais te confisquer ton véhicule. Mais pourquoi? Parce que ces véhicules sont interdits. Tu ne peux pas avoir ce type de véhicule sur toi. C'est gros, pas ils, correct. Ils sont interdits en ville. Ils sont pas interdits dans le désert sa mère. Non. Et alors, écoute-moi bien, jeune homme. Je t'explique plus simplement. Oui, madame, on est bien d'accord que ces véhicules, ils sont interdits en ville et non dans le désert. Madame, ils je vous prierai de. Ils sont interdits en ville et non dans le désert, on est d'accord. Madame, ils sont pas interdits dans le désert. De reculer. Donc ici, j'ai le droit de la sortir. Madame, on je vais vous demander de reculer, première sommation. Oui, je vous le dis, clairement, je m'en vais. Voilà. Non, madame, vous attendez ici. Alors, bouge pas de là, jeune homme. Madame, madame, je vous demande de rester ici gentiment et de descendre. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, soit vous trouvez une solution tout de suite, on est en train de discuter d'abord ensemble. Donc, soit on termine maintenant et je pars travailler. Bon, mais écoute-moi bien, tu vas pas chicaner toute la journée ici, c'est pas un seul service, je suis officier de police, je t'ai dit de rester, tu restes. Alors, je resterai si on termine la conversation qu'on avait commencée, sinon je vais travailler. Bonne journée. Maintenant, tu restes ici, et ensuite, mon collègue va s'occuper de toi, parce que j'ai pas envie de m'énerver, ok? Dépêchez-vous de me détacher, monsieur l'agent, n'utilisez pas. Ah bah écoutez, je peux encore marcher, hein. Très bien. Ici l'officier Lassard, de Marie-Marie. Rapport immédiat sur le parking de Sandy Shore. Détachez-moi, vous n'avez pas le droit de m'attacher comme ça. Ah mais gros, vous utilisez de vos moyens, monsieur Dupuis. Ah non, mais complètement, je suis désolé. Hein. Madame, quand vous demande vous de ne pas bouger, gentiment vous me et d'attendre. Vous me menottez alors que je n'ai exactement. Rien fait. C'est un abus de pouvoir. Je porte plainte contre vous, monsieur l'agent. Je vous demande par trois fois de ne pas bouger. Je porte plainte contre vous. Vous pourrez porter toutes les plaintes que vous voulez. Oui, il n'y a pas de souci, Vous utilisez votre droit à tort, là. Ouais, monsieur, veuillez disparaître. Vous êtes en relation avec madame... Alors, deux problèmes, chers collègues. Tout d'abord... Monsieur, est-ce que vous pouvez me détacher, s'il vous plaît? Non, je madame, ne peux pas vous être menotté attaché. Alors qu'il se passe absolument rien. Je n'ai rien fait, monsieur, me menotte. C'est une honte. Monsieur Doudoune Rose, venez. Bon, maintenant, les choses vont se passer simplement. Maintenant, vous me détachez, monsieur l'agent. Doudoune Rose. Non, ne détachez pas cette personne. Vous me détachez, je n'ai absolument rien fait. Il faut parler avec un autre agent parce que je comprends pas tout ce qu'il dit. Porte plainte. Très bien, ça va être très simple. Monsieur Camber, venez avec moi. Oui, mais non, je me détachez. Vous, je comprends rien, vous voyez. Arrêtez, madame, calmez-vous. Alors, servez-moi, monsieur. Bien, alors, on va faire les choses simplement. Ouais, parlez correctement et je vais essayer de comprendre. On va essayer de faire comprendre facilement. Monsieur collègue, Lecon, cette personne essaie de nous faire croire qu'elle est venue avec un véhicule autre que... En fait, elle essaie de nous faire croire que le véhicule... Tais-toi, jeune homme, maintenant. Tu tais, sinon je t'enfourne ma botte directement dans ton arrière-train, tu comprends? Maintenant, tu tais. Non, c'est bon, tranquille. Maintenant, on va passer au modèle de Luc, tu comprends? Tu vas pas me chicaner deux fois, sinon je vais te mettre tes coups de séquoia dans ta gueule.
Ok. Ouais, ouais, tranquille, tiens, tranquille, vas-y. On est officier de police ici. Ici, on rigole pas. T'as cru quoi? T'as cru que j'étais ta mère? Hein? Je suis pas ta mère, hein. C'est mon père. Donc tu tais, tu bouges pas. Oh, ouais, tranquille, tranquille. Alors, messieurs, mesdames, veuillez faire vite, s'il vous plaît. On est en pleine intention. Oui, il y a pas de souci. Collègue, je vous explique rapidement la situation. Il n'y a pas à chicaner, il n'y a pas à discuter. C'est très simple. Ça va être rapide. Alors, moi-même ainsi que le collègue, on a appréhendé cette personne avec une BF-400, comme ça je nomme. Non, c'était une seule chaise. Je nomme, je t'ai demandé de te taire. Encore une fois, je te mets un outrage à agent, tu comprends? Ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et mettez les mains sur la tête, s'il vous plaît. Bon. Non, je lui ai mis les menottes. Ah, j'ai mis les menottes parce qu'il a essayé de s'enfuir. Putain, les choses sont très simples, en fait. Mais ouais, mais la personne qui est en face a tout simplement essayé de nous chicaner et est rentrée avec un véhicule différent. Et elle refuse de sortir de son parking. Bah écoutez, on a qu'à aller voir dans son parking personnel. Et elle fait la petite pressée, donc. Elle essaie de s'enfuir et il est hors de question qu'elle parte sans nous montrer le véhicule. On est d'accord. Donc là, elle va partir, je vais être obligé de l'arrêter de nouveau. Messieurs. Bon, alors lui, là. Non. J'ai rien fait. C'est moi. Mais qui qu'est-ce que vous faites là, Polala? Pourquoi vous l'avez laissé partir? C'est une blague ou quoi? Je l'ai laissé partir. Tu l'as laissé partir? Bah, tu vas aller. Pour moi, elle est menottée sans raison, là. Elle est menottée pour raison. Elle est menottée pour raison, il faut arrêter de croire qu'on fait n'importe quoi, hein. Mais non, mais c'est parce que je crois... Ça va chicaner sévère, on en parlera après. On va chicaner sévère. On discutera après, ouais. Bon, quant au jeune homme qui est là-bas, il utilise une BF-400, c'est une moto interdite. On est d'accord, c'est correct? C'est une Sanchez, c'est pas une BF? Non, c'est une BF-400, tu vois, c'est une moto qui n'est pas... Mais non, c'est une Sanchez. Une Sanchez ou une BF, c'est la même chose. Il avait une bouteille de vodka. S'il vous plaît, vous allez la sortir. Bah, je sais pas, elle est pas là. Elle est là, Non, on va. Tu vas de suite te calmer, je dorme. Je te jure, je vais t'imprimer les semelles sur ton arrière-train. Tu sors le véhicule qui était là. Il était là, il est là, d'accord? Tu sors le véhicule. Sortez là, sinon on regarde dans votre garage personnel. Et là, ça va prendre du temps, mais ça va être encore plus cher. Voilà. Ok, ben la Sanchez est interdite. C'est interdit, ton manteau. Est-ce que je peux parler? Non, tu ne peux pas parler. Tu as perdu le droit de parler le moment où tu as essayé de t'enfuir et de faire ton malin. Non, mais attendez, donc, ton véhicule va être con. Attendez, s'il vous plaît. Non, il y a une loi, tu la respectes. Ou tu te fais. Non, mais ta loi, j'ai le droit de parler quand même et d'expliquer mon version des faits, non? Attendez, j'essaye de comprendre. Monsieur Cadet Lassar, est-ce que vous l'avez vu rouler avec ce véhicule? Bah, bien sûr, parce qu'il est monté dessus et qu'il est sorti pour partir avec. Je vais demander de partir. Non. Mais le problème est réglé, on confisque le véhicule. J'ai pas besoin d'expliquer la situation. Ah ouais, confisque. D'accord. J'assume les actes. Vous l'avez vu rouler avec le véhicule en j'assume les actes. Non, non. D'accord, ok, d'accord. Alors, ça part sur un mytho de première catégorie, hein. C'est sympa ça. Alors, je vous laisse suggérer. Hein. Voilà, exactement. D'accord. Vas-y, détache mon gros et vas-y. Et enlève le véhicule. À compter de ce jour, ce véhicule est confisqué. Vas-y, tranquille, poteau, vas-y. Tu sais quoi, tu sais pourquoi on l'a arrêté en plus? Vas-y. Donc vous allez... Par contre, la loi, tu la bouffes, je te le dis. Alors, merci de me donner les clés de véhicule. Tu vas nous dire ça, plus on va t'arrêter. Bien sûr, j'ai les mains attachées comme un truc. Je les donne, poteau. Réfléchis un peu dans ton cerveau, hein. Ah bah ouais, c'est officier, ça connaît la loi, mais que dalle, hein. Je vais vous demander de bien vouloir me donner le véhicule. Arrête de jouer au con. On est bien d'accord. Ouais, mais je veux bien les clés, mais je suis attaché, sa mère. Comment tu veux que je te les donne? Je sais même pas pourquoi il a arrêté. Ah bah là, ouais, ça, c'est con, coup, j'ai les mains attachées. Maintenant, vous pouvez. Le véhicule est à ce jour confisqué par le LSPD. Veuillez me donner le véhicule, je vous prie, merci beaucoup. Ouais, je veux bien te donner les clés, mais regarde. Est-ce que tu vois mes mains? Elles sont attachées. Vous êtes détaché, monsieur. Non, monsieur, je viens de vous détacher. Ah ok, c'est bon. Je voyais pas la même chose, désolé. C'est pas grave, y'a pas de soucis, monsieur, je comprends bien. Je comprends que la situation, vous êtes stressant. On vous a vendu un véhicule qui n'est pas homologué. On vous a un peu arrangé. Je ne fais qu'appliquer la loi, monsieur. Ouais, voilà. Non, Max, merci pour les clés. Maintenant, il faudrait que vous me donniez le véhicule. D'ailleurs, c'était pas celui qui était dans le coffre. Ah, ouais, je puisse le mettre dans désolé, le garage du LSPD. Je vois le bail. Ouais. Que je me souvienne de ce truc. Tu t'es mis dans la merde, toi. Faut que je fasse ça. Ah, putain. Tiens, toutes les clés. Là, c'est bon. Je vous remercie, monsieur. Merci pour votre coopération. Ouais, pour votre coopération, t'as bouffé la loi, mais c'est pas grave, tranquille. Non, non, pas du tout. Ouais, bien sûr. Allez, salam.
occupé avec la bécane. Bah la SAR, qu'est-ce que tu fous avec une bécane comme ça? J'ai confisqué le véhicule et je le mets dans le garage et ensuite je donnerai au chef dès que je le vois. Sérieux? Mais ça coûte carrément cher! Absolument. Et c'est totalement illégal. C'est un véhicule sans plaque d'immatriculation. Vous n'avez pas le droit de l'avoir, sauf si vous appartenez à l'association des bikers. Bah, qui fait des petits tours dans le coin. Non, l'association de bikers qui fait des petits tours dans le coin. Bah ouais, moi je vais faire partie de ça, et puis c'est bon, comme si on pourrait récupérer la bécane. Si vous l'êtes, oui, mais vous avez des circuits et des jours où vous pouvez les utiliser. Ah, tu peux pas conduire où tu veux, hein? Eh non. Tu connais pas bien le règlement, toi? Absolument. J'aurais bon en vacances. Je non, nul n'est censé ignorer la loi. Et ça nous embête de faire ça. Vous croyez que ça nous amuse? Vous croyez vraiment? Ah ouais? Bah, vous... amuse, mais j'ai eu 20 ans moi aussi. Vous croyez quoi? Vous croyez que ça me fait plaisir de venir vous voir et vous dire tout ça? Vraiment? Enfin, réfléchissez un peu. Si c'est interdit, c'est parce que c'est des engins morts. On n'est pas dans un jeu vidéo ici, Calice. Tu peux mourir sur la route, gamin. Ah, y'a pas de chicane, hein, j'ai rien fait. Alors? Arrête de dire j'ai rien fait, bordel. Je peux partir du coup? Non, pas maintenant. Oh. Moi, je suis pas content, hein, collègue. Hein. Je te le dis comme je le pense. Attends, qu'est-ce qui t'arrive là, ça? Ben, finissons avec le jeune homme et puis après on en parle. Mais le problème en fait, c'est que les mecs là-bas, là, ils sont en train de discuter à propos de lui. Là. Ah, y a un problème? Qu'as-tu fait? Rien. Je me suis fait arrêter cet après-midi, enfin ce soir, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes le bleu et tu aimes les policiers? T'es en mode sexuel? Non, j'aime pas. On n'est pas YMCA ici, hein. C'est pas non plus un. Tu crois que sans trahirer, tu crois qu'on va s'amuser avec toi avec la pâte à m'enlever, quoi? Ah non, mais laissez-moi tranquille aussi, moi, je veux pas de chicane. Tu vas arrêter de faire les bêtises, hein? Tu as fait plus de malfroid, le malandrin, tu arrêtes de te comporter comme un roublard. T'as 20 ans, tu vas pas gâcher ta temps de vie à faire n'importe quoi, j'ai ok? Rien fait. T'arrêtes de rester caché dans le buisson. T'es pris pour Vous un avez un truc à dire, les gars, ce monsieur? Bah, attends, juste que ça fait 5 fois qu'on le voit là tous les jours, on le voit là depuis 3 jours. C'est vous qui me suivez? Mais tous les jours, tu fais un truc, tous les jours. Mais non, c'est pas vrai! C'est parce que vous le voyez! Écoute-moi bien! Parce qu'on le voit, hein. Oui, monsieur. Si moi ou un de mes collègues, on te rachope, on va te faire passer l'envie. On va te donner travaux d'intérêt généraux. Oui, j'aime pas travailler, c'est bon, ok, je fais. Voilà. Mais c'est parce que quand je fais des bêtises, vous êtes là! Ben oui, alors t'arrêtes tes conneries! Parce qu'on est l'œil de la justice et qu'on voit tout. Ouais, ça va, arrête, on me fait peur. J'essaye. Mais non, mais si je fais des bêtises mais que vous êtes pas là ou que vous me voyez pas, eh ben ce sera pas une bêtise. Tu fais quoi comme bêtise, Kevin? Kevin, tu fais des bêtises? Tu t'as pas dit que tu t'appelais Kevin? Je m'appelle Keke. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise, Kevin? Tu fais des bêtises de Kevin, sur l'autoroute, tu fais des conneries comme ça? Bah non, je pique les voitures. Quoi? Hein? Comment ça? Tu voles les cars? Qu'est-ce que tu voulais? Vous voulez des voitures? Moi, c'est parce que j'étais à pied, du coup, il y avait mais une voiture. Mais t'es con, Kevin. Alors, Kevin, et tu l'admets en plus? Vole des voitures, ok. Non, mais c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. C'est faux. Si vous Kevin, de le dire. Tu vas te mettre la belouche. Tu veux une belouche, Kevin? C'est ça que tu veux? Tu veux une belouche dans le faciès? Non, non, je vais te remettre dans le droit chemin. Ça chiffre un vol de véhicule, toi? Mais j'ai jamais volé. Attends, mais je vais te dire ça, attends. Tu viens de le dire à l'instant, là, que t'avais pas de j'ai insulté le procureur, j'ai pris 80 000 d'amende. Oh là là. J'ai payé. Non, mais je vais te dire combien ça coûte un vol de véhicule. T'insultes les magistrats? Ouais, mais... Tu voles des voitures? Je t'explique pourquoi. Tu sais combien ça coûte un vol de véhicule? Je vais te le dire. Je vais m'en occuper, si vous voulez bien. Bah, c'est 100 000 plus préjudice. Oh, c'est trop cher, j'ai pas de sous, moi, j'ai jamais fait ça, en plus. Mais tu viens de dire. Non, mais c'est un exemple des petites que je peux faire. Non, ah oui, t'as que dit vous ça, avez j'ai fait. Non, c'est pas vrai. Ah si, devant 4 témoins, en plus policier. Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Ah si, évidemment. Non, je vous promets. Ah si. Ah, je vous jure, monsieur l'agent, j'ai Kevin, pas fait ça. Kevin. Oui, on va pas cogner le clou toute la journée avec mes collègues, on a autre chose à faire. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Je pense qu'ils sont tous d'accord, vous êtes d'accord, les gars. Hein, on veut plus revoir Kevin. La prochaine fois que je vois Kevin, c'est parce qu'il est venu nous livrer une double pizza à pepperoni pour mon anniversaire au commissariat, on est d'accord? Ouais, mais pas de chose, et moi je veux un Pepsi. Il y aura le Pepsi aussi, pas mal Pepsi, il y aura le Pepsi. Moi je veux une frite. Pizza, c'est cher. Et la pizza, elle sera bien chaude. Non, parce que tu sais quoi? Tu vas pas nous l'offrir. Tu vas venir, on te donnera de l'argent parce que tu seras livreur. T'as compris? Tu vas trouver un travail honnête maintenant. Ouais, et ça paye bien? J'en sais rien, tu te débrouilles pour trouver un travail honnête. Ok. Il y en a des millions de travail honnêtes dans cette ville. T'as compris? Ouais, mais on peut rien faire, on a même pas le droit de travailler dans le pétrole, parce qu'il faut un contrat.
Si bah oui, pour un c'est normal, tu as un contrat, faut être en CDI, tu trouves le patron, tu lui lâches un peu le fion, et après c'est bon. C'est pas dur, non, Kevin? Ouais, plus, ça peut être... Tu préfères voler? Tu préfères voler, Kevin? Non. Tu aimes le vol? Non, j'aime pas, monsieur l'agent. Tu vas être gras comme un voleur? Tu vas te retrouver en prison? Non, je peux pas voler, monsieur l'agent. Tu vas faire le singe derrière la cage? Oh, Kevin, putain, tu me fatigues, Kevin. Moi, j'ai rien fait! Kevin, tu nous épuises techniquement. Regarde, tu peux bailler mon collègue. Il a le bajou en tombant. Ah ouais, j'aurais pas dit mieux, là, ça. Hein, putain, mais merde. T'as le bajou en tombant, c'est-à-dire que t'énerves tout le monde. Tu sportes, t'en pestes. Oh, mais... Maintenant, tu vas arrêter de niaiser, nous prendre pour des imbéciles. Hein. Mais je comprends rien que ce qu'il dit. Ah, mais tu dis pas tu, déjà, tu dis vous. Ah, je comprends pas vous. On voit toujours un policier. C'est oui, monsieur l'agent. Non, monsieur l'agent, c'est pas compliqué, non. Non, monsieur l'agent. On veut plus te voir, en gros. On veut plus te voir faire des conneries. Allez, tu dégages, tu donnes un coup de pied au cul. Non, Kevin, reviens ici, Kevin. Kevin, reviens voir tonton Lassard, Kevin. Dégage, Kevin, dégage, putain. Allez, courez les deux, là. Allez, hop, plus vite. Incroyable. C'est jeune, ça fait des bêtises. Attends, quelle est la salle, vas-y, explique-moi. Non, ben, tu as fait de la merde, voilà. Fait concret, tu as mis le pied dans le caca, tu as libéré la demoiselle alors qu'elle nous avait pistouqué. Elle avait fait quoi, la demoiselle? Non, mais viens discuter avec le collègue, on va dans la voiture. Mais là, c'est... Là, il faut la retrouver, là, je rigole pas avec ça. Oula, attends, il se passe des trucs. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Ah, j'avais envie de m'asseoir là. Ok, on peut du tout. On la retrouvera jamais, hein. Mais attends, si on t'appelle, collègue, c'est pas pour que tu refasses notre travail, c'est juste, tu viens nous appuyer, nous aider, nous épauler, un travail d'équipe, on fait pas n'importe quoi avec le collègue. On l'a vu en volant des motos illégales. D'accord. On lui demande de fouiller le véhicule. Mais là, t'en as oublié un là-haut. Quoi? Comment t'en as oublié un, là? Mais non, mais... Non. Mais le dernier... Non, je suis là, normalement, je suis dans la voiture. On est comme des jeunes prêtres en sortie, là, directement dans le diocèse. Ah ouais. Et vous avez dit plus vite, hein? On vous avait dit de pas traîner, les gars. Eh, t'es court, Kevin! Ah, va te faire voir! Hein? J'en ai marre. Avance, j'ai perdu quelqu'un, les gars. Je vais m'occuper de Kevin. Il est à gauche. Je vais l'épauler, jeune homme, je vais m'en occuper personnellement. Kevin, arrête-toi! Kevin! Kevin, arrête-toi immédiatement! Viens voir tonton Lassard, on va discuter, Kevin! J'en ai vu autant que toi! Alors, poursuivez-le dans un sens, je le poursuis dans l'autre. Non, mais c'est pas possible, sale grosse. C'est son numéro, toi, ou pas? Kevin, reviens ici immédiatement! Fais pas l'enfant, Kevin! M'en occupe. Kevin, reviens ici! Kevin, m'oblige pas à utiliser des prises de karaté pour te sommer. C'est bon. Mais pourquoi? J'ai dit quoi? Viens ici, tu as mérité la balouche dans le ton, tu es d'accord? Mais non, mais je parlais pas à vous. Je vais te mettre la balouche dans... Je m'en occupe de lui, c'est bon, les gars. Viens avec moi, viens. Mais non, c'est bon, je retourne. Viens avec René. Non, t'as dit... vous me faites peur. Tu viens avec René, viens ici immédiatement. Je te mets les pinces. Je vais pas te taper, reviens ici, Kevin. Je vais te sermonner grandement. Reviens ici, Kevin. Kevin, ça suffit! Au secours, laisse-moi tranquille! Espèce de petit roublard, je vais t'apprendre, moi! Tranquille. Monsieur, il va me taper! Kevin, arrête-toi, il va te taser! Tu vas connaître ta fille électricité! Et voilà, Kevin! Non, mais c'est bon, là, ça fait 20 fois qu'on dit Kevin, t'arrêter, ça suffit maintenant! Mais arrêtez, laissez-moi, c'est bon, j'ai rien fait. Non, tu restes là, non. Tu bouges plus! Kevin, allez, tu vas rester là! Circuler! Un peu plus loin! Kevin, c'est bon! Vas-y, je m'excuse, monsieur! Kevin, je vais te donner une punition! Comme on faisait dans mon pays quand les gens étaient passants. Non, je veux pas de punition, c'est bon, je m'excuse. C'est la punition, c'est bon. Tu vas écouter, Kevin. Ouais, tu vas monter à l'intérieur de la cage ici. Ouais, je rentre dans la cage. Comment on rentre? Tu vas dans la cage, Kevin. C'est formé? Non, tu vas là dans la cage comme ça. Ouais, je vais là dans le trou. Voilà, exactement, Kevin. Voilà. Maintenant, tu vas écouter tonton Lassard. Ouais. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer ce qui va se passer. C'est pas légal, mais c'est légal. Si jamais ça peut partir à tout instant. Écoute-moi bien, ça peut partir, oui, tu vas te prendre directement le 5$ dans la tête si tu continues à parler, tu comprends? Ouais. Maintenant, tu vas arrêter. Arrête, c'est bon, monsieur l'agent, j'ai compris. Voilà. Kevin, tu vas arrêter de faire les bêtises. Je t'aime bien, Kevin. René t'aime bien. Ouais, tu sais ce qui pourrait se passer pour toi?
Je vais te raconter l'histoire de René Lassard qui a fait des bêtises quand il était jeune. Oh, mais il fait plus de bêtises maintenant. Non, maintenant il est cadet à Los Santos. Tu comprends? Je rends la justice. Mais avant. Quoi? Ah bon, il faisait des bêtises, René? Je faisais des bêtises. Un jour, mon grand tonton, il m'a capturé. Il m'a mis à l'intérieur de la voiture et on est parti en virée. Et j'ai beaucoup souffert. Tu sais pourquoi, Kevin? Non, René. Ah, c'est une bonne question que tu me poses. Parce que tonton, il était fan de Céline Dion. Et il a mis du Céline Dion pendant 10 heures. Tu veux écouter du Céline Dion, Kevin? Tu veux écouter du Céline Dion pendant 10 heures? Non, monsieur l'agent. Parce que sinon, je te mets à l'arrière de la voiture pendant la patrouille. Je vais te gosser que je t'attache comme un saucisson. Et je vais bien t'esgourder les oreilles pour bien t'entendre. Et tu vas connaître tout Céline par cœur. Et tu sais quoi? Après, Céline, ce sera ta déesse. Non, c'est bon, c'est bon, monsieur. Il adore Céline. Donc tu vas te tenir à carreau, hein? C'est pas les amendes, ça se marche pas sur les gens comme toi, hein? C'est pas la réprimande. Je vais me tenir à carreau, monsieur l'agent. Ouais, mais tu nous l'as déjà dit il y a 3 minutes, hein? J'ai pas fait de bêtises, là. Bah si, tu nous as insulté, t'es parti au courant. Et je parlais pas à vous, je parle à moustique. Eh bien sûr. Maintenant, tu vas te séparer du moustique, tu as compris? Ouais. Pour la soirée, tu vas partir sur la gauche, là-bas où t'es parti, dans les bois. Ouais. Et tu vas courir sans arrêt jusqu'à la ville. Jusqu'à la ville, tu m'as compris? Mais c'est trop loin, je vais mourir. Céline est proche, Kevin. Non, c'est bon, Céline. Ouais. Voilà, je vais te voir courir comme jamais tu as couru. Ouais, je veux courir comme jamais. Quel Forrest Gump de Los Santos. Dépêche-toi, je vois Céline derrière toi, jeune homme. Dépêche-toi, il y a Céline. Je pense qu'on ne reverra plus, non, collègue? Ouais, au moins pour ce soir. M'en débarrasse. Il y a le cadet Anderson qui est allé aux toilettes, il arrive. Ah, très bien. Il a. Ah, oui, il devrait manger le pruneau, je crois que le problème de transit. Il a le fennec à l'intérieur du conduit. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je pense que tu lui as bien expliqué, là. Bon, alors, je vais t'expliquer, collègue, pourquoi j'étais pas content tout à l'heure. Je m'excuse, je me suis énervé, on est une équipe. Non, mais il n'y a pas de problème, mais comme ça, je t'explique fille... aussi pourquoi je l'ai libéré. Vas-y. Ah, bah alors, je t'explique. Elle arrive avec une moto. De quoi? Et jaune. Tous les deux, avec mon collègue, on la voit. Elle la range dans le parking, à la gare. Et nous, on lui demande gentiment de la ressortir. Et là, elle nous ressort une autre moto noire et blanche. On lui dit, vous ne chicanez pas à l'intérieur de la prouve, vous avez pris pour des niais. Oui, bien sûr. Elle nous dit non, je ne vous prends pas pour des niais, je vous prends pour des castors. Elle nous dit non, c'est celle-là, il n'y a aucun problème, vous ne vous énervez pour rien, je n'ai pas la BF400, c'est l'association qui a la BF400. Et là, on lui dit non, vous sortez le véhicule, ça ne va pas le faire. Elle commence à s'énerver. Mmh. Ben, elle n'a pas voulu coopérer. Elle dit, je n'ai pas le temps, je m'en vais. Je lui dis, si ce n'est pas le service, c'est la police de Los Santos. Donc, j'ai mis les pinces pour refus d'obtempérer. OK, d'accord. Et quand je vous ai appelé, je voulais l'aide parce qu'on avait les deux autres guignols aussi. C'était tendu. Oui, bien sûr. Et elle commençait à nous menacer, en fait. Parce qu'en fait, cette dame, elle a une association... Oui, je sais, mais en fait, elle est autorisée à rouler avec ce genre de véhicule sur son Dichor et la montagne. Mais c'est pas ça le problème. Oui, non, mais je sais. Elle demande de ressortir le véhicule. Elle ressort le véhicule. Et elle l'a pas fait, tout à fait. Exactement. C'est son refus d'obtempérer qui nous a agacés. Et elle nous a pris pour des idiots parce que je pense que dans le coffre du véhicule, il y avait un truc qui était pas net. C'était sombre. Oui, bien sûr. Et du coup, comme vous l'avez libéré, on peut pas vérifier. Fait. Après, si quand on menotte une personne, faut s'en occuper rapidement, qu'elle reste pas menottée, qu'on s'occupe d'elle en priorité, quoi. On a été en train de s'occuper de 3 personnes. Ouais, bien sûr. Et puis, je l'ai menottée parce qu'elle m'a dit, moi, je m'en vais. Non, mais moi, de toute façon, je suis pas là pour te faire chier. Hein. Moi, je suis là pour bosser avec toi. Mais je t'explique juste pour te dire que. Juste qu'il y a eu une mésentente, c'est pour ça. Pour cette fois, c'est mort, à mon avis. Mais si on la rechoppe dans la soirée, moi, je lui mettrai un refus d'obtempérer. Ouais, bien sûr. Il faut se méfier d'elle. Je pense que Mme Carla Cox, c'est une malandrine. Elle est malhonnête. Ouais, bien sûr. Je vous attends dans l'arrière de la voiture. Tout de suite. Ok. Ok, non, ça va. Non, c'est bon, c'est moi, ouais. Je les libère un peu trop vite, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Elle est autorisée quand il y a un événement, mais là, je pense pas qu'à 1h du matin, il y avait l'événement, non? Ils ont le droit de circuler ici et d'aller repérer un peu les alentours pour faire des patrouilles. Ouais. Enfin, repérer la randonnée, quoi.
Ça vous dérange? Dites-nous. Pas du tout. La moto de mon collègue, pourquoi il l'a plus? C'est quoi la moto de son collègue? Excusez-moi, on n'est pas en ville. On peut se balader quand même dans le désert avec une moto. Je vous explique les règles, parce que vous le demandez. C'est très bien de demander quand on sait pas. C'est très simple. Ces véhicules ne sont pas autorisés aux civils qui ne font pas partie de l'association de Sandy Shore, des trucks. Et pourquoi il n'y a pas de pancarte dessus dans ces cas-là pour nous avertir? Vous savez, une moto, c'est cher. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi. On va se renseigner et regarder les journaux de la ville, monsieur. Je suis désolé. Et du coup, ça se passe comment? On se fait rembourser? Pas du tout, monsieur. Vous avez perdu votre véhicule. Ah, donc vous gardez la moto et vous pouvez faire des tours dans le désert, c'est ça? Non, négatif, monsieur. Non, on va vendre la moto et peut-être que l'association la rachètera. Mais vous pouvez vous inscrire à l'association, faire des tours de moto. Non, mais les ventes de la moto, ils vont aller à qui, du coup? À les ventes de la moto, vont aller à la mairie, monsieur, bien entendu. Ah oui, c'est tout à fait normal. Ben oui, ça va à la communauté. Récupérer quoi? Ah, mais on a rien. On a comme bécane, on savait pas que c'était interdit. Mais Kevin, c'est comme tu ne savais pas que c'était interdit de voler des véhicules et d'insulter des gens. Mais j'ai pas volé, mais comme si, ça, si, si, mais comme ça, ça rentre bien, ça rentre bien en l'intérieur de ta boîte à bécasse. Hey, c'est quoi? Vas-y, ok, y a pas de problème. Et je t'avais dit de courir jusqu'à la ville, Kevin. Tiens, d'ailleurs, monsieur Lassard. Non, c'est pas monsieur Lassard, c'est agent. Agent Lassard. Veuillez m'excuser. Monsieur l'agent, ça suffira. Apparemment, le délit de fuite, c'est 40 000, pas 90 000. Donc j'aurais bien un rabais sur ma contravention. Non, pas du tout, monsieur. C'est votre lieutenant qui me l'a dit. Vous n'aurez aucun rabais, parce que ce qu'il a oublié de préciser, c'est que vous avez fait aussi un outrage. Ah, bonjour, monsieur. Un outrage? Vous avez pris la cumulante. J'ai fait un outrage? Absolument. Écoutez, si vous voulez faire un dépôt de plainte, c'est vous pouvez faire un dépôt de plainte. Faites-vous plaisir. Je porte plainte contre monsieur Lassard pour abus de pouvoir. Monsieur. Porter plainte contre un agent de la LSPD. Non, mais c'est correct, vous inquiétez pas, je gère. Oh, mais on s'inquiète pas. Non, mais de toute manière, moi j'étais bien présent. Mais de toute façon, ils se sont fait arrêter ce soir déjà. Je suis pas sûr qu'ils obtiennent quoi que ce soit. Il a pas compris qu'il a fait un refus d'obtempérer et un délit de fuite par la suite. Non, mais il a pas compris que pour porter plainte contre un membre de la LSPD, il faut des. Du moment où je lui demande par trois fois de se mettre contre un mur, puis ensuite, quand il est sur le mur, de se museler et de ne pas bouger et qu'il s'enfuit, c'est refus d'obtempérer. Et quand après, quand il s'enfuit par trois fois, je lui demande de s'arrêter et qu'il continue à courir comme un cabri avec des loups derrière lui, je suis un loup, je l'ai couru derrière comme une meute. Eh bien, pour moi, il y a le délit. Donc en tout, ça fait 90 000. Donc il peut porter la plainte, il n'y a pas de souci. Oui, ce qu'il fasse, s'il veut. Je reprends le commissariat pour avoir deux voitures. Parce qu'il en a qu'une et on est les quatre. C'est pas une mauvaise idée. J'aimerais bien qu'on récupère la Carla qui nous a tous roulé dans la farine. Je pense qu'il faut qu'on pense teamwork à 200% avant de s'emballer. Mais même moi. Au début, je croyais que c'était pour le véhicule, ce que je te disais. Non, mais t'inquiète pas, collègue, il n'y a pas de souci. On a la pression au début, c'est normal. On regarde le numéro, quoi. Mais en fait, je veux pas qu'il y ait de conneries, tu vois, c'est ça. Non, mais tu aurais dû venir en parler avec moi avant. J'aurais dû t'en parler plus vite, mais il y avait l'autre Kevin là qui me. Et le petit blond, la moustique, qui me rabattait les oreilles, c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir des guêpes qui avaient niché. Du coup, on va dans la voiture. On discute dans la voiture. Il est parti en courant par là. Kevin. Je pense qu'on les reviendra bientôt. C'est pas de mauvais bouts, vous savez, c'est le jeune, il faut que la jeunesse se fasse, mais faut qu'on les cadre. Faut les encadrer peut-être plus pas trop. Ah, faudrait qu'on fasse des journées de sensibilisation de la LSPD. On peut proposer ça. Merci à AzazFR qui dit merci pour ce stream. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on prend? On garde les saliers RP. ou on s'autorise des buffalo? Parce qu'il y en a qui se sont fait enfermer pendant 4 heures pour moins que ça. Et croyez-moi, je l'ai vécu. J'ai vécu de l'autre côté, donc je sais très bien. Eh ben, faut prier le Seigneur. On va demander à Lassard de prier le Seigneur qu'il n'y aura pas de course poursuite ce soir. Ou sinon, travail d'équipe pour essayer d'intercepter le véhicule. Deux jours, il y a eu joli travail, le russe rentre à l'heure les indications. Hein. Avec Serra, c'était nickel. C'était très bien fait. Mais moi, je pense qu'on devrait se baser quand même peut-être pour travailler en collaboration à deux véhicules. Et puis,
et puis se baser sur le légendaire flair de chasseur de la Sarre. Le collègue, il faut le dire, je repère la fiente à des kilomètres. Pas vrai, non, mais en même temps, eux, ils sont faciles à repérer, quoi. Non, mais c'est même pas ça, c'est que carrément, genre, au départ, on contrôle en se tapouillant un peu sur la gueule avec la Sarre pour. Voilà. Les mecs repartent comme si de rien n'était. On revient. Enfin, Lassar a le flair de les suivre. Et évidemment, ça part en couille à l'endroit où ils étaient, quoi, tu vois. Oui, oui. Non, franchement, pas mal. Pas mal, Lassar. Hein. Ah. Je dis félicitations à ça. Ah non, mais félicitations à nous quatre. C'est le travail et d'équipe, ses collègues. Et en plus, eux, on les croise. Il n'y a pas de couverture temps, pour là. Une personne. Il y a un grand plaid qui a été fait par une grand-mère avec des morceaux de chacun de nos travail. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais moi, j'aime bien celle-là. Bien, moi, je dors pas au milieu. Quoi. En dessous. Je dors pas au milieu, c'est tout. Moi, je dors au milieu. Je fais des vents du Vésuve. Ça fait soulever comme ça. Hein. Par contre, faut pas mettre la tête en dessous après. C'est dégoûtant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça n'inspire pas confiance. Je te jure. Mais tu sais qu'on va les recroiser tout à l'heure. Hein. Bah oui, je sais. T'es au courant. Hein. Si on les recroise, on va leur faire la journée sans civilisation. Par contre, on n'est plus censé aller Non, mais moi, on a eu l'autorisation. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est si on recroise Kevin, comment il s'appelle l'autre, Monsieur Camber, d'abord, on va les appeler par leur nom. Comme ça, ça va leur remettre les idées en place. On les prend, on leur met la menotte, on les met à l'arrière du véhicule, on le trimballe avec nous. Comme ils écoutent Céline Dion pendant 3 heures. Exactement, mais surtout... Comme ça, s'ils sont avec nous, ben, ils sont pas où? Ils sont pas en train de faire le malandrin. Ils font ils font pas le délit. Faut pas qu'on les mette en danger non plus, si on... Ah non, on peut pas intervenir, en fait, c'est ça qui est embêtant. Non, on peut pas prendre des civils dans une voiture, c'est pour faire des patrouilles. Vous croyez, c'est pas bon? Non, c'est interdit. Ah, parce que s'il y a un problème, il va se faire peut-être. C'est mettre en danger, on les enferme dans les cellules avec Céline. C'est la torture. Ouais, bah ça, par exemple, ça, c'est possible. Après, moi, personnellement, ça serait l'idée. Ça serait un peu comme être au jardin des 15 plaisirs. Ah, mais sinon, on les met dans le truc grillagé là que t'as trouvé tout à l'heure et on leur met ben, ouais, carrément. Ouais, c'est tout. Ah, t'as rentré le véhicule. Je vais en sortir. Ouais, deux. Il est un peu abîmé. Vous croyez qu'on pourrait prendre un Buffalo? Parce que le chef... Moi, ça va être une fin de service pour moi, les gars. Ah, moi je vais prendre ma fin de service. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée. Dormez bien tout le monde à la radio. Ouais. Ok, ça va. Ça va. Ouais, René. Quoi donc? T'es où? Ah, t'es là. Je prends ma fin de service moi aussi. Il reste Robert avec toi. Ah, très bien. Voilà. C'est une bonne soirée. Bon, ouais, on va faire une petite patrouille si vous restez. Mais la dernière fois, le chef m'a autorisé à prendre la Buffalo tard le soir. Il m'a dit sinon, on te sert un peu à rien. Capitaine, je veux dire. Mm-hmm. Je pense qu'on peut. Je pense que c'est correct. Oh, si on est qu'à deux, on peut le prendre. Je pense, oui. Si on prend l'Interceptor, c'est dangereux. Oui, non, ça c'est trop gueulera, vraiment... Mais la Buffalo, il nous dira c'est correct. Et surtout hier, on a vu l'autorisation. Bon. Qui c'est qui a garé le véhicule ici? C'est quoi ce véhicule? Ouais, je vais appeler la fourrière, c'était ok, collègue. Non, attendez, lui a fui d'abord qui c'était. On va appeler Ginette. Oh, je te laisse faire. Ok. Je le fais, Ginette. Ouais, comme tu veux, vas-y. Centrale, ici, Cadet Lassar, vérification, plaque d'immatriculation, ok. Je transmets le numéro. Numéro, c'est attendez, je regarde au train. C'est 00X0F3MG. Zlakarov, Mikhaïl, c'est une voiture de procureur. Zlakarov, Mikhaïl, Zlakarov, aussi. Ben moi je dis, c'est pas parce qu'on est magistrat qu'on peut se garer n'importe où. On doit donner l'exemple. Ah oui, tout à fait, on voit là le foyer. Surtout devant l'Speedy, aucune voiture de l'Speedy peut rester devant.
Aucune voiture civile ou broker, que ce soit, peut rester devant. Parti directement dans la chasse trap. Et où est bien notre véhicule? Bien, je vais sortir. Ben, je crois bien, j'y retourne. Un jour, j'aurai droit à l'Interceptor. L'Interceptor. Rends-tu compte, collègue, un jour, on aura droit à l'Interceptor. Ah oui, ça c'est plus tard. Alors, étant donné l'heure, collègue, je pense qu'à 2h45, les gens qui se déplacent par... sont olé-olé, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, je pense qu'on contrôle tout le monde. Ok, ça va. On va aller faire un petit tour au garage, c'est dimanche. Exactement. Genre... Ah oui. Merci Godino pour ton don. Merci beaucoup pour ton don de 5 euros, mec. Désolé, j'avais enlevé les Twitch alertes parce qu'il y a deux jours... Et d'ailleurs, j'ai oublié de les remettre. Excusez-moi pour les gens qui ont sub, qui ont follow la chaîne. Merci pour le soutien. Il y a un mec qui m'a envoyé des bottes. Exactement, c'est... Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Bon, elle est sur un parking, c'est correct, non? Bah, c'est correct. Pour ça. Bah, c'est tout le parking du garage, quoi. Bah, je pense que les gens sont surtout... C'est l'impression dans le Nord, c'est l'endroit où les gens ils font des malversations, les carabistouilles, la malice, non? Oui. Quand tu veux, c'est là-bas qu'on doit appuyer pour que le puits sorte. On va être dans le Nord, mais non. Bah ben, oui. Fais un petit tour et puis on va dans le Nord. Ok. J'avais cru voir une voiture. Ouais, non, il n'y a pas de voiture. Bon, allez, bon, on va directement dans le Nord. Hein. J'ai absolument qu'on retourne même Carla et s'occuper d'elle personnellement. Ouais, après cette histoire, je peux l'avoir avec la BF400, on va pas l'arrêter pour la même chose. Ah non, mais je lui mettrai un refus d'obtempérer dans tous les cas. Elle aura son amende. Non, mais là c'est trop tard. Il met pas d'amende, mais non, on laisse tomber. On aura pas autre chose, pas de problème, je vais lui serrer la vis de toute façon. Ouais, ouais. Puis elle appartient au camp Browser. Peut appartenir au camp qu'elle veut, on n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait, c'est pas la loi, c'est pas bon. Razetor, Razerot, le mec qui jouait donc. Pas grand monde, hein. Jaeger, il a. Pardon. Il a stop. Il est parti et le russe, bah, je l'ai tué avec Moretti. Je l'avais tué. Donc il y avait un Allemand. On va voir l'extraction de pétrole. Lui, il est parti. Après que j'ai quand même tellement mis la quenelle avec Moretti qu'il pouvait plus rien faire. Il était totalement verrouillé à part être ma pupute. Il a pas voulu être ma pupute. Il est parti parce que bah, il a trouvé du boulot aussi. Tu m'entends hein? Ouais, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que c'est pas hein? Ouais, je disais, on va voir l'extraction du pétrole. Ok, on va où tu veux, je te suis, je t'adore de toute façon. Ok. Ouais, en gros, il avait... C'est pour du monde là-bas, on va faire un petit contrôle. Ok, correct. Ouais, il a trouvé un boulot en fait. D'ailleurs, est-ce que tu fais des rapports? Je n'ai pas fait rapport d'hier, moi je fais avant-hier, je fais l'antépénultième, pénultième, c'est cool. C'est ok, je ferai demain. Comme ça, je te conseille de le faire en tant que cadet, c'est important. Bien sûr, je fais le rapport. Là, il y aura des choses à marquer ce soir. Hein. C'est touffu comme histoire, hein. Pire qu'un buisson de pineux. Oui, je comprends. Ouais, donc, d'ailleurs, tu sors toutes ces expressions là, farambolesques. Non, je te
te sors de mon esprit. Enfin, je parle, c'est naturel, c'est le bon François, c'est Québec. C'est bon, quoi. Ouais. Après, c'est pas vraiment François, c'est plus québécois. Non, c'est bon François, c'est François québécois, c'est pas vous, vous parlez pas le bon français. Ah oui. Non, bah déjà, êtes, on parle anglais, non? Vous parlez comme les. Parlez pas bien, c'est pas bon. Faut vous racheter. Moi, je suis belge, hein. Je suis belge de nature. Oui, mais toi aussi, c'est pareil, tu sais plus ce que c'est le français. Il y a la Belgique, on parle bien français. Non, je pense pas, non. Hein? Non, je pense pas. Ben, c'est pas correct, non. Ouais, je sais pas. Tu vois, collègue, ce que je m'étais dit, c'est qu'ici, c'est là que les gens se préparent à faire le mauvais coup. Moi, je serais d'idée de cacher la voiture ici, et puis d'attendre que les gens viennent se changer d'habit, et là, leur mettre la grappin. Ouais. Et on risque d'attendre longtemps, hein. Mais pas maintenant, mais je veux dire, d'habitude, ça peut être pas mort. Ah ouais, je vois. Il y a personne, hein. J'ai vu, ouais, correct. Oui, donc l'idée, en fait, il y avait donc Kajer Stahl, le mec de l'ami, donc j'ai mis la pile avec Moretti, il n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau après, il s'est fait irrespecter, et comme le gars en plus s'est barré. On pourrait aller voir le fromage. Enfin, il avait beaucoup moins de temps parce qu'il a trouvé du boulot, donc Jäger. Il a stoppé le perso, en fait, il avait deux choix. T'avais pas un instant de chasseur? Mon instinct de chasseur me dit qu'il faut aller à Saint-Déchaud. Déchaud. Mais de façon maligne, tu éteins les phares, et tu passes par derrière et on se cache. Tu veux que je te montre les techniques du caribou furtif? Bon, on va faire ça. Je pense que je les connais un petit peu, les caribous. Tu sais te cacher comme un animal à l'affût? Oui. Par contre, on n'a pas la bonne voiture pour ça. Pourquoi donc? C'est pas vraiment très discret, on va dire. Mais moi, je te cache un camion dans un champ de pré. C'est pas un problème. Ah oui, tu vas. Tu l'enterres. Non, si tu veux, je te montre après. C'était pas un problème. Bon, on fera ça. T'as un camion? Non, je pas le truck dans le poche. Promène pas avec. Dommage, on pourra pas tester. Ouais, et donc. On va juste pour en faire. Donc, le Kaiser, il avait deux choix. Il avait choix numéro un, il se mettait avec nous et en gros il devenait mon sbire, mais ça lui faisait trop mal au cul. Choix numéro deux, il a essayé de devenir d'être maire à la place de moi, mais tout le monde l'a rappelé au Lord, donc il s'est bien compris qu'il fallait qu'il soit sbire. Et comme il n'a pas voulu vers sbire, il a essayé d'aller vers ses films de cul. Il se faisait chier à mort. Ses collègues commençaient à vouloir le crever, là, c'est pas le bras droit. Il est caché. Et au final, vu qu'il avait son boulot, il a arrêté. Et le Dimitrov, donc le mec de l'agence qui avait Edwige, je l'ai tué. Hein. J'étais là, c'est moi qui lui ai foutu des balles dans la gueule. Parce que le mec, je voulais lui proposer qu'on reparte à zéro de ça, mais il voulait pas jouer. Il voulait pas jouer le jeu, donc à la fin, je l'ai tué. Pas qu'on monte là? Ben, c'est escarpé quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais pas utiliser les techniques de la lutte furtive, si je peux me permettre, collègue. Tu veux que je t'apprenne? C'est bien si je t'apprends, non? Ouais, vas-y. Parce que, alors, je te prends le volant une seconde, hein? Pas d'offense. Je vais te montrer. Parce que le malandrin, il est malin. D'accord? Oui. Donc le malandrin, il faut que tu sois plus malin que lui, regarde. Je vais te montrer. Oh, futilité. De buisson en buisson. Là, le buisson. Là, c'est plutôt. Hein. Non, mais celui-là, ouais, il est pas ça, bon. Ça, c'est le goût, alors. Ah, regarde, on va passer par là, comme ça. Ni vu ni connu. Futilité. Regarde. Futilité. Ça, c'est plus ça contre ça qu'autre chose. Hein. Non, mais c'est pas grave, y'a personne, c'est collègue. Les ouais, mais du coup, c'est pas très furtif. Mais si, tu vas voir, c'est furtif. Regarde bien, je vais te montrer. Par exemple, tu veux surveiller le galard. Regarde comment tu fais, effectif. Et là, tu es comment? Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Ouais. Tu es parfaitement caché. Regarde comment tu es vicieusement caché. On peut surveiller, personne ne voit. La voiture rouge nous couvre, regarde. Fais le tour. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein? Je peux voir ça. Mais tu peux y aller, c'est... T'es caché. Ah ouais, je confirme, c'est pas mal, ouais. Ben oui, c'est correct. Ouais, derrière les voies. Mais derrière, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit devant, qu'on nous voit pas.
Ouais, c'est vrai. Mais après, on peut faire mieux. Parce que j'ai pas bien réussi. Mais si j'ai réussi d'un, on fait comme ça. Et là, c'est puissant jitsu, direct. Ah non, ouais. Et des ninjas de la furtivité. Là, regarde, 95% de la voiture est indémasquable. Ouais, le petit blanc là, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il est plein. Non. Et d'ailleurs, tu chuchotes là. Tu as raison, tu es malin. Regarde, tu peux faire bien pareil ici, regarde. Oh. Ouais, là c'est un petit peu plus. Non, ça marche aussi. Parce que toi, tu sais que ça y est, mais si tu sais pas, réfléchis, comment est-ce qu'on nous voit la route de ouais, c'est vrai, là c'est pas mal. Hein. Ouais, coupe peut-être ça. Le moteur. On est bien là, hein, de les deux. Ah ouais. Sont... Parce qu'il va y avoir quelqu'un, mais ouais, on est bien. Bon, le problème, c'est que je pense qu'il n'y en a plus que deux chats morts qui sont réveillés. C'est-à-dire, c'est toi et moi, on a dit complètement. Ah oui, j'ai l'impression. On peut peut-être aller voir. On peut aller voir. Dis-moi donc, tu veux qu'on s'en aille? Vas-y, va à la vente de pétrole. Hein. Tu vois où c'est, quoi? La vente de pétrole? Je t'indique, vas-y, tout droit. Vas-y, ah, dis-moi. Ah, je crois savoir avec moi aussi. C'est de l'autre côté de l'autoroute, non? Ouais, c'est ouais, c'est pas là, on passe par-dessus, tu vois. Chemin de, ouais. Des fers. Ouais, ouais. Bon, tu vois. Oula. Ben alors, j'étais sûr qu'il y était père. Ah, mais par contre, la voiture, elle est dans un mauvais état. Non, t'inquiète, c'est un peu fallot, ça résiste à tout. Tu vois un garage pas loin, vas-y. Correct. Parce que là, elle peut tomber en panne en deux ans. Hein. Non, stop, stop, si, si. Mais alors là. Tu l'as vu qu'il a bougé, non? Ouais, j'ai surtout vu le capot qui s'est enlevé. On n'a pas besoin de capot, ça irait le moteur. Et, par contre, t'as vu l'état de la voiture? Elle est en forme. Ouais. Tout va bien, tu stresses pour rien. C'est un point de vue, ça. C'est un bon véhicule du nord des États-Unis d'Amérique. Il n'y a personne, collègue. Puis tu sais, chez nous les Lassards, la conduite sportive, c'est une religion. C'est sport, non? Je vais essayer de pas reprendre le truc, là. Va faire plus raisonnable, peut-être. Alors, qu'est-ce que t'en penses, où ce qu'on va? On rentre, non? Je pense que les gens sont de repos. Non? Collègue? Ah, collègue, t'as disparu. Quel bonheur, je suis enfin tout seul. Alléluia. Allez, à plus, collègue. Bonne journée. Bon vent, comme on dit. Bon vent, pas de dévent. On s'en vend tout le temps. On peut enfin piloter comme on l'entend, sans avoir des rabat-joie. Cadet le rustre, tu m'entends? Enfin, cadet le rustre, cadet... Collègue, je t'entends. T'as disparu. Plus la voiture. J'essaie. Mais t'es où? J'ai un petit souci, une petite pilule de la force. Correct, j'arrive. Ben alors, t'es où? Kali, je te vois plus. T'es tombé où du véhicule? Ouais, je reviens dans deux minutes. Donc, okay. Ben, on peut peut-être dire qu'on peut arrêter le service, non? Ouais, ouais, c'est ça. Je vais pas revenir au final. Limite, on retourne au commissariat pour la fin. Ouais, je vais aller ranger le véhicule. Ok. Bah, 17 pour moi et bonne nuit. Ça marche. Je te fais le 17, je te fais le bisou sur le front. Ok.
Bob, ça parle d'argent, répond. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez de l'argent? J'en ai pas, vous avez vu le déco que j'ai? Ça coûte une blinde. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai pas, j'ai deux femmes et un chien. Enfin, j'ai deux chiennes et deux enfants. C'est pas d'argent. Et donc par flouze, non, ça marche plus. Ça a déflousé. Mais non, il marche plus, j'ai enlevé en plus le lien. Il n'y a plus le lien sur la TV, je l'ai enlevé. Ne faites plus des dons sur Flouze. C'est-à-dire que j'ai plein d'argent sur mon compte Flouze. Attendez, je vais regarder. Peut-être que je suis flougement riche, extraordinaire. Je me rappelle même pas de mon pseudo. Alors là, pour retrouver le mot de passe. Ma foi. Puis alors, c'est pas le genre de truc dont je me souviens. Alors. Il y a ça qui me parle. Pas du tout. C'est quoi le compte que vous voyez sur Flouze? Juste pour savoir, parce que si j'ai le compte, hein, je peux retrouver le nom là que vous voyez sur Flouze, c'est quoi? Je me rappelle même plus le nom que j'avais mis sur Flouze. Ben elle marche bien même à 40% cette voiture. Ah c'est ça, c'est WAP TV. Ah ben je vais retrouver le pseudo, le mot de passe alors. Je savais bien que c'était WAP TV. Ah merde, pourquoi j'ai cette scène? Je ne sais pas. Désolé pour la scène. Et désolé pour la scène. Tout le temps du monde ici. Maintenant, il n'y a plus rien. Personne. Over.
Alors, vous avez dit c'est WAP TV. Hein. Attendez, je vais tester. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, attention, test. Bim, c'est pas le bon. Bim, c'est pas le bon. Je teste tous mes sous mes mots de passe pourris. Bim, bim, je l'ai trouvé. Bim, bim, bim. Putain, c'est vrai, il y a des gens qui me donnent des sous, les pauvres. J'ai beaucoup aimé la scène avec le sac. Super Bob, continue de te faire respecter. Tu as raison, tous les roues sont corrompus. Ben voilà, exactement. Tiens, voilà de l'argent que Média n'aura pas. Merde, c'est embêtant. C'est embêchant, du coup, hein. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne, je me rappelle même plus. Et là, c'est quoi ça? Je comprends pas. Fait faire des choses là. Il me demande un code, mais j'ai jamais eu de code. C'est pas mal, non? J'aime bien. Très bien. Il m'a demandé un code, je savais pas ce que c'était. J'ai mis 000, ça a marché. Qu'est-ce qu'il est nul, ce truc? Oh, putain. Donc en fait, j'ai plein de messages, je les lirai en live la prochaine fois. Mais tout le monde met 00, non, sur les trucs de code à la con. Vous croyez que je pourrais aller prendre l'intercepteur? Ça serait coquin. Ça serait grivois. Je vois personne quand même, je pense que c'est mort. Je suis sûr qu'il y a des gens à ce parking. Je sais pas pourquoi, mais moi, si j'étais un tapin, j'irais à ce parking. On va aller voir ce parking. Ah mais j'avais 24 euros dessus. Mais merci quand même, c'est toujours 24 euros, c'est de l'argent. Un euro est un euro. Mais vu que je bosse plus avec Flouze en fait, ils ont été discourtois Flouze. Donc j'ai coupé, sans trop... pilote en fait. Je suis un pilote. Je vous l'avais dit que j'étais un pilote. Je vais piloter, tiens, pour vous. Je pilote. Et les voitures du LSPD, elles sont easy à conduire, je vous le dis. Il n'y a pas besoin de ralentir. C'est gratos la popos. Hein. Gratuit, c'est gratuit, c'est un truc de dingue. Non, mais par rapport au véhicule civil, c'est le jour et la nuit. Il y a une voiture là-bas. Non, mais je vous assure, c'est. Ah, je pensais que t'étais fort. Non, non, c'est pas moi le problème. Le point fort, c'est. Ah non, les véhicules, la police, ils sont. C'est pas des patinettes, hein. Qu'est-ce que c'est ça?
Merci Bob pour tes streams. J'ai découvert le RP grâce à toi. Putain, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais pourquoi j'ai un mec qui enlève des lunettes là? C'est quoi la blague? Pourquoi j'ai un mec qui enlève des lunettes? Parce que. Voilà. Test don. Voilà. Test subscribe. Voilà. Alors pourquoi j'ai un mec qui enlève des lunettes? Qu'est-ce que. C'est quoi le bug? Mais je t'en déconne. Alors attends, il m'a mis un message à rallonge. Merci Bob pour tes streams. J'ai découvert le RP grâce à toi. J'ai presque tout vu l'histoire de Moretti. Bref, j'adore ce que tu fais. En espérant pouvoir te croiser un RP sur Ad Astra. Ça pourrait être sympa, mais on verra bien. Razetor, ça serait avec un grand plaisir. Merci pour ton don. C'est cool. Merci à toi. C'est pas un bug, t'as choisi. Tu peux choisir des trucs. On peut choisir au moment où on fait le don. Non, sans déconner, on peut mettre des bits. On peut choisir entre quoi et quoi. C'est moi qui mets les images ou c'est vous qui mettez ce que vous voulez? Perso, je préférerais que ce soit vous qui mettez ce que vous voulez. Les mecs de... on peut mettre des nichons. On peut mettre des petits culs. Oh là, quel pilote. Ah, mais regardez. La voiture, honnêtement, là, je ne fais qu'accélérer. Mais si j'accélère pas de trop, elle est impossible à renverser. Hein. Non, mais je fume n'importe qui, là, à la course, avec une voiture comme ça. C'est gratos. Je m'étonne que les flics fassent les kékés. Hein. Regarde ça. Oh. Hello, welcome, bande de fils de pute. Ça fait à peine 5 minutes, 10 minutes, non, 15 minutes que Tracy... Ouais, c'est ce qui me semblait. Tu veux que j'en fasse quoi, sérieux? J'ai toujours les clés. Belle bonjour, mesdames. Oh non, putain, pas lui. Comment ça? Non, putain, pas lui. Attends, il est où? Non, il est... enfin. Ah, il est là. Il est venu à pied? Bah, je sais pas, non? Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as l'apparition de la cadet Lassar. C'est absurde. Comme ça? Cadet? Non! Mais non, j'ai bondi directement de palmier comme ça, ah, vous êtes surpris. D'accord. Et vous avez besoin, dites-moi, vous avez besoin qu'on vous dépose au commissariat? Non, pas du tout. J'ai ma toquante là, regarde. Oh, mais j'étais juste en train de séquestrer une fille, oh merde. Ah, vous séquestriez quelqu'un, c'est pas quoi. Faut pas le faire. Non, elle joue avec des menottes. C'est pas une séquestration, elle joue avec des menottes en fait. Ah, ben, je veux pas savoir si c'est sexuel, ça m'intéresse pas. c'est gênant. Non, non, non. Ce que vous comprenez pas, monsieur, c'est qu'elle veut que... Monsieur l'agent, hein. Monsieur l'agent. Monsieur l'agent, elle... Si vous voulez le salaire, il n'y a pas vraiment, qu'il y a au moins un peu de considération. Parce que sinon, cadet, t'es avec qui? Justement, le salaire n'est pas vraiment. Vous comment ça, je suis avec qui? C'est. Bah, t'es pas peinte. Non, mais. T'es patrouille tout seul? Non, mais je parle pas de ma vie privée. Comment ça? Non, je demande en patrouille avec qui? Non, ça, je sais pas. Mais non. Il y a en patrouille avec lui-même? C'est correct, officier Callahan. C'est pas la trouille, c'est bien. Non, je te demande avec qui tu tournes. Tout seul, il tourne tout seul sur place, regarde, il tourne. Regarde, il tourne comme ça. Non, mais vous êtes en service, pas officiel, bon. Parce que si vous me demandez de tourner, je tourne, ok, c'est parti. Allez, tournez, voilà, tournez autour de là. Tourne de là, c'est ok. Voilà. Non, mais je veux être le meilleur cadet de notre sentence. Avec qui tu es en 10-41, voilà. Avec lui-même. Ah, on voulait savoir avec qui je patrouille. Ah ben, il patrouille avec lui-même. Patrouille, ben j'ai. Non, j'ai bien failli choper un lapin, mais il a pas voulu monter dans le véhicule pour me tenir la compagnie. Ah bah merde! Ah, c'est dommage. Du coup, je suis tout seul, moi, avec ma belle coupe de castor. Ah, j'ai vu, on fait dans le discret, là, ça. Monsieur l'agent, une petite photo avec ces dames, ça vous dirait? Bah, le problème, c'est que je peux pas te parler, Biomarm. Parce que faut que t'enlèves le casque, quand même, c'est pas correct.
Oh, mais je peux pas faire la cagoule cool avec. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toute lumineuse, j'ai l'impression d'avoir. Ça vous va êtes... plus, vous êtes arrivé, on brille. Vous êtes des Power Girl Ranger. Voilà. C'est ça. Exactement. C'est qui est force jambe devant et marron derrière? Vous faites la chorégraphie avant la transformation. Comme oui. Dans le, oui. Comme dans oui. Le feuilleton. Attends, je suis sur quoi la chorégraphie? On fait ça, on fait, bah, à ton avis, ce, que, toi, ce qu'elle vient toi, de faire. Est-ce que attends, vous voulez que je fasse... Elle est filmée prête ou pas? Si vous voulez, je peux faire... Je peux faire la... Oui. Attendez, si vous voulez, je peux... Attendez, écoutez-moi, mesdames. Oui. Mesdames, si vous voulez, je peux... Attendez, je dis attendez. C'était impatient, mais on peut chorégraphier. Si vous voulez, je pourrais faire la monstre en carton pâte. Mais du coup, le, non, mais j'ai le pas, monstre j'ai en carton pâte, on pourrait m'appeler sirop d'érable à tort. Et j'arriverai pour couvrir Dieu. Le monde de sirop d'érable. Oh putain. Je peux faire ça. Mais en fait, vous avez fumé quoi, sérieux? Je sais pas. Non, mais c'est parce que, en fait, je dois reconnaître, j'aime si bien. Si on a des plantes dans le commissariat, je me demande si... Non, on a aimé, c'est pas ça, chef. C'est parce qu'en fait, je suis un fan de pop culture. J'adore ça. Hein. Alors, vous avez tapé dans le mille directement au milieu de la cible. Ah ouais? Ça a raté à la Robin des Bois. Alors, je peux faire le sirop à tort. Attends, tu n'as pas dit tes pâtes. Attendez, je fais. Alors, on sait, je pars comme ça, là. Vous voyez, par exemple, on dirait que je suis quand... Vous me voyez? Vous me voyez plus. Là, vous. Ah, vous... oui, tout à fait. Là, je suis. C'est dans le dos, on le voit pas. Là, je suis caché, ok, puis je sortirai comme ça avec un allez-y, mauvais venez, accent venez. Comme ça. Allez-y, regarde. Sortez, venez. Oh! Alors, bande venez, de malandrins de Bioman, vous êtes bien surpris par le sirop à tort, hein? Voilà, c'est hein? Pas bien fait. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire contre moi? Je vais. Ah mon Dieu, elles sont en train de se transformer. C'est la fin pour moi. Va, attention, je vais utiliser mon crachin spécial que j'ai de moi-même. Attendez. Sur la photo, j'ai toutes les positions possibles. Attention, parce que j'utilise l'instincteur des Genator au sirop d'érable vaporisé. Faites pas les malines. Attends, vous ne survivrez pas. Faites-moi les malines, hein. C'est pas moi, le coup, chef, c'est confus, je suis désolé. Pardon, j'ai pas le. Non, mais j'ai pas fait ça. Coup, il est pas. C'est parti, chef. Chef, vous en parlerez pas au capitaine, sinon il va me saquer, d'accord? Ça reste entre vous. Allez, relevez-vous, madame, je suis désolé. Non, mais la poignée du taser, ça. T'as plus qu'à t'excuser à jour pour le coup de taser. Ah, je suis désolé, madame, mais c'est lourd. Elle est où ta voiture? Elle est là, tu as perdu. Non, j'en vois pas. Je vous dis que je suis venu en cocotier, vous me croyez pas? Oui, non, mais. Comment vous êtes venu? Ah, on voulait faire un non, tour. Non, mais là. Il fait des patrouilles pédestres, lui. Mais non, je suis venu en Buffalo. En Buffalo? Ah bon? T'es sorti une Buffalo? Ben, c'est le capitaine la dernière fois, il m'a dit. Quand vous êtes pas nombreux, sortez la Buffalo. Parce que. Vous avez le droit de sortir les Buffalo? Ben, c'est ce que le capitaine m'a dit, sort une Buffalo. Alors j'ai sorti une Buffalo. D'accord. Et où, je croyais que les cadets pouvaient pas sortir un Buffalo. Ben, ah le problème, c'est que là, cette année, j'ai l'impression. les gens, j'ai l'impression d'être un bâtiment. Ils me tournent autour avec. Cette année, c'est un peu genre ah, une voiture qui avance ça. Pas. Ben, les rapports sont longs et qui. Les jalouses. Ah bon, elle fait un peu faire l'amour avec une stagnée. Hein? Et elle est performante dans le. Quand hein? Tu veux. Quoi? Oh non, mais t'es sûr qu'il n'y a pas. Il n'y a pas eu un saisi de cannabis dernièrement? Ben non, mais elle a dit la stagnée avec ce qui est bien, c'est que les rapports sont longs. Alors, non. Ça fait l'amour avec le pot d'échappement. Du moteur. Avec les pots. Oh, qu'est-ce que.
On peut faire avec le moteur aussi, ça, c'est pas beaucoup de choses, non? Vous pognez très sévère, vous êtes en... Enfin, vous êtes... J'en dirai rien, chef, j'ai pas le droit de le dire. Je vous ai entendu, vous avez besoin d'un petit massage, ne bougez pas. Ben, je pense que la... Je pense que la chef, elle a, elle a besoin d'avoir plusieurs inspecteurs autour d'elle. De quoi? Elle est tendue, vous pensez? Je pense... Non, on s'en va. Par contre, je suis vraiment désolé pour le taser, mais il était au niveau minimum, vous avez rien senti. Tracy, elle a l'air d'être tendue. Est-ce que vous permettez que je vous baffe? Rien que pour le taser. Bah, et ensuite, je vais attends, non, attends, on va lui mettre un petit coup de fouet. Bah, attends, c'est peut-être non, mieux. Mais. Non, un petit non, coup, de coup de fouet. Enfin, je dis pas non, mais alors je prends la position. Voilà. Ben, voilà. Non, mais je suis. Mais je allez, en... Allez-y, prenez la petite position. Non, allez-y. Pas, oh merde, on va s'éteindre. Non, mais je suis en service. Par rapport à l'uniforme, c'est pas correct. Mais bonjour, je suis pas en service. Oh, non, ne faites pas ça. C'est... Oh, putain, non, c'est gênant, c'est outrage à agent. Non, eh ben, ça suffit, arrêtez. Non, non, ne continuez pas, j'ai horreur de ça. Non. Eh, c'est dangereux. Elle dit non, mais il aime ça. Hein. Non, j'aime pas ça, c'est pas vrai, je dis non. Comme on dit, bah non. Oh mon dieu. Bon, les pauvres non, c'est éteint, non. Hein. Eh putain, on peut. On est bien d'accord que. Penchez que... vos fesses, penchez vos fesses. On est... Non, c'est. Vous méritez une punition, non. Je porte oui. Non, mais là, je peux. Non, pas pour... non on arrête, attention, je suis officier assermenté. Pas tous, vous... attention, Faites... Je vous mets la lampe torche dans l'œil si vous approchez. Faites attention, hein. Si, je vous aveugle, hein. Je vous décolle la rétine. Faites pas... C'est normal que vous fondez. Faites-moi les marions, hein. Voilà. Ça, c'est de la... On appelle ça la maglite sacrée. Allez, circulez, messieurs dames. On rigole pas avec l'uniforme. Suffit maintenant, hein? Passez une bonne soirée! On rigole pas, on badine pas avec la justice. C'était pour rigoler un peu en fin de soirée. C'est tapé la mise en file. Je suis un pilote. Et puis voilà, prise de service over. Et pire encore, cette petite scène de fin était très marrante. Totalement inutile, mais très parente. Non, 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 oui. C'est vrai, vous croyez que tout le monde m'entend, mais je change de la vie. Ils ont pas de prix à l'autre. Mais si t'es où? Elle est jolie, ma part. Voilà, ça déconne. Alors, ça marche ou pas? Oh là, j'arrive pas à quitter le jeu, c'est incroyable, Guinness. Qu'est-ce que tu fais, Fifi? Ça va? Un peu, je sais pas, peut-être? Tout va bien? Alors, ben, mesdames et messieurs, on va se quitter, hein. J'espère que... Merci à toi, Mollusque. Allez Bob, fais de bons rapports à défaut d'en avoir avec ta femme. N'oublie pas le rapport sur la moto et d'autres qui profitent de l'association et de la tempête Harvey avec la note pour les supérieurs. Non mais elle, il faut lui faire un petit rappel à l'ordre quand même parce que c'est pas correct ce qu'elle a fait. Après bon, on va pas,
On va pas se tartiner la gueule, hein. Je vous rappelle, hein, ce soir, on a un petit peu avancé le Faucon Millenium pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, histoire qu'on se quitte sur une note Star Wars-esque. La bête est là. Il est en cours de confectionnement. Je vous fais des bisous partout. On se retrouve demain soir. Demain soir, c'est full GTRP. Je serai avec Monsieur Quispé. Et je serai également avec Gringos. Et on va patrouiller tous ensemble. Je pense que ça va être épique. Demain soir, ça va être très fun. Je vous fais des bisous partout. Je vous aime. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous les gens qui ont sub. Merci à tous les gens qui ont follow. Et merci à tous les gens qui ont fait des dons. Merci pour votre soutien. Il est très appréciable. Merci d'être toujours aussi nombreux et toujours présents pour vous taper des rigolades avec moi. Je vous aime. Vous êtes un petit peu le troisième enfant que je n'ai pas encore eu. Voilà. Même au cas où il se passe des choses rigolotes. Allez, la salle à votre service. Ça marche. Officier Flynn, 17. KD Godino, dispatch. Il y a le sergent Kranik qui m'informe que des sportifs sont partis en direction du nord pour peut-être une course qui s'organise. Mais c'était comme un coup de taser, hein. Je suis tombé dans le coma. Bonjour, 17. Bonjour, Khaled. Comment ça va? Ça va, ça va. Impeccable. T'as une bien belle et journée pour aller pêcher la weight. Ouais. Du coup, il reste qui en service? À part les trois cadets avec moi, là. Non, bah c'est okay. Vous avez vu les cadets? Toujours les meilleurs, toujours présents, toujours fidèles au poste. Tiens bien chopé avec ta langue là. Je suis actuellement avec l'officier Freeman, on répare le véhicule et il prend sa fin de service. Allez. Désolé la SAR pour hier, hein. Si je t'ai froissé, hein, je suis désolé. Pas froissé, c'est pas le problème, c'est que je pense que ça nuit à la crédibilité de toute l'équipe, tu vois. Non, t'inquiète pas. Vraiment, parce que les malfrats en fait ils ont été arrêtés aujourd'hui. Ah, ils étaient vraiment malfratés alors. Est-ce que vous avez fait une formation au placement du véhicule? Ouais. Non, c'est bon. La patrouille, je dis, pas me péter, faire mon Starkey Hutch, mais gère bien maintenant, chef. Non, mais c'est je te dis, le placement du véhicule. Je t'ai pas dit d'aller en patrouille. On nous a montré. Bah, le chef, hier, il m'a laissé partir en patrouille avec la Buffalo. Wow. C'était bien. Et vous allez sans partir en patrouille? Oui. Le grand capitaine, il m'a dit... On peut partir en patrouille avec là. Bah et d'ailleurs, hier, on a dû gérer le commissariat seul. On a fait un délit. On a poursuivi une voiture. On a arrêté des gens qui ont fait un délit de fuite. Alors, racontez-moi. Le cadet Godino, sergent Serra, c'est le cadet en personne qui a votre arme. Bah, tout est dans le rapport. Ouais, c'est bon, je. Vous pouvez m'expliquer rapidement. Bah, en gros, ils ont fait un délit de fuite. On les a poursuivis, enfin, on les a pourchassés et tout. Ah ouais. Puis là il était sévère, hein, le délit de fuite, hein. Genre en mode on les somme de s'arrêter, okay. Les mecs ils se gardent derrière, ils font semblant ils se gardent derrière, ils démarrent en trombe, on les poursuit, on leur crie au mégaphone de s'arrêter une dizaine de fois, ils le font pas, on percute le véhicule 2-3 fois histoire de dire bon les gars on est là, ils s'arrêtent toujours pas, ils roulent sur les rails et tout machin. À un moment véhicule du SPDHS, on arrive à les retrouver, enfin le russe arrive à les retrouver au garage.